Eh bien le bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver. Comment qu'ils vont? Salut Erwan, salut Dominique, salut Pascal, salut Tintin, salut Tiflo. Comment allez-vous tous dans le chat, les amis, dans le chat? Avez-vous passé un bon week-end? Salut Albert. Ravi de vous retrouver en ce lundi après-midi pour lancer la nouvelle série en plus. Je suis vraiment ravi, ravi de vous retrouver. Une petite série qui va être très très sympathique, les amis. Salut Mika. Salut Clem. Qui va être très sympa. On va partir sur la map Bonneval version privée. Parce que oui, pourquoi version privée? Parce que Cédric m'a appris à rajouter des cultures dessus. Je vais vous montrer ce qu'on a rajouté. J'ai aussi appris à modifier un animal food. Et j'ai même été plus loin en cherchant moi-même. Je me suis compliqué la tâche. Il y aura le manuel attaching sur la série. Il y aura le mode REA. Salut Greg, ça va et toi? Tout ce qui est REA, donc il va falloir que je compose avec mes chevaux et tout. Mode saison en 2 jours pour le moment. On verra si on rajoute plus ou si on enlève. La seule autorisation que j'aurai, c'est le pick autoload. Sinon, bah, pas d'autre plateau autoload ni quoi que ce soit. Salut Benjamin, bienvenue à toi sur la chaîne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Manuel attaching. Je ne sais plus ce que je voulais dire. On verra au fur et à mesure de ce qu'on avance dans la série. Vous découvrirez aussi. Là, faut qu'on finisse de préparer tranquillement. Mais ce qui va se passer, c'est que. Difficulté normale. Je pense que je vais être en normal, Mika. On verra après. Comment ça va se dancer? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Salut Coupe West, bienvenue à toi sur la chaîne. Je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre. Je suis perdu. Oui, il y aura aussi. J'ai mis sur le Discord. D'ailleurs, ce serait bien si vous y allez. J'ai même pas été voir s'il y avait du monde qui l'avait fait. Non, il n'y a personne qui s'y est mis. J'ai fait un petit channel pour faire les. Carte chance et malchance, un peu façon énergie 5. Donc des exemples que j'aimerais bien. Non, pas le maïs plus Cube West, parce que je me suis rajouté des cultures et je me suis organisé mon animal food à ma façon. Donc du coup, je me suis compliqué la vie déjà bien comme ça. Et on va bien rigoler. Donc j'aimerais bien que vous participiez sur le Discord, les amis, ou même en commentaire, pour des cartes chance ou malchance. Donc il y en aura une de tirée à chaque épisode. Chose qu'on va partir sur une carte malchance comme exemple, un tracteur est en rade pour l'épisode. Donc voilà. J'ai moins 50% sur l'achat d'un outil, ou moins 25%. J'ai une culture qui est plus bonne à récolter. Ça marche, Mika. Donc voilà. Ça sur le Discord, faut pas hésiter. Et puis pour le maïs plus Cube West, j'ai pas besoin de me mettre le. La voisine! La carte malchance des betteraves avec Fredo. Je préfère les faire tout seul, Tintin. Salut mon Fredo! Donc voilà, on va partir à une game, les amis. Je vais vous montrer un peu ce qui a changé sur la map parce que j'ai changé aussi un peu la ferme principale. Et merci aux 20 personnes et aux 17 pouces. Donc, je me suis acheté la ferme principale qui est ici. Dégage-toi le truc, abonne-toi. J'ai laissé les premiers bâtiments jusque-là, nickel. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Donc ici vous avez l'étable à vache qui est là, la vache laitière. Et là normalement vous n'avez pas de bâtiment. Oh la vache! Ma quelle la perte d'FPS, pourtant je l'ai pas en jeu. Voilà, vous l'avez en stream. Ok, c'est pas grave. On va essayer de faire avec. Si j'en ai une là. Donc là je me suis remis un silo dans ce silo, je me suis remis un bâtiment ici les amis. Ah, j'ai une petite perte d'FPS au niveau là, je sais pas c'est quoi, je l'avais pas hier soir. Mais voilà, ça me saoule. Donc voilà. Putain! Eh, bonjour à tous les amis. Salut mon papy! Putain, mais merde! Vache! Modifier un petit truc. Vidéo, rien modifié. Voilà,
Bon, je peux même les faire. Oups, c'est le papier, ça t'en dit, c'est super. Ah ouais, mais je suis en train d'essayer de régler ça. Il a fait une mise à jour. Ouais, mais dans la mise à jour, il y a. Il n'y a pas la modification d'FPS. On a regardé, il a rien fait là-dessus. Là, je suis un peu plus fluide. Vraiment, si je regarde là-bas qu'on a une baisse FPS. Hein. Ah non, là, ça va mieux. Non, ça va pas. C'est vraiment quand je regarde là-bas. Ouais, bon, on va regarder vers là. Ça va aller mieux vers là. Ça va se rétablir. Alors, je me suis acheté un petit International 1455. Une petite pailleuse herbivore de chez... Je sais plus c'est qui la marque. Je sais plus c'est qui la marque. Une petite mélangeuse Kuhn. Ensuite, on va débuter avec une petite moissonneuse John Deere. Clin d'œil à mon petit Flo et à mon petit papy. À 22,66. Petite barre de coude de 6,1 m dessus pour débuter. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire aussi, c'est que nous avons par ici un petit Renault, les amis, le petit Renault, un petit godet, nous avons un petit semoir en 3 mètres, une petite planteuse monosème en 4,5 m, le Girax en 4,1 m en culti, une petite benne Girax. Divor, c'est un troll sur Discord dans les nouveaux arrivants. J'ai pensé la même chose que toi, Taishan. Je sais pas si c'est le vrai ou pas. Non, va te faire foutre avec ta palette, Mika, je rigole. Une petite charrue 5 corps, un petit pulvé hardy, un petit pendeur engrais. Vicon, voilà. Tout simplement. Et un petit plateau à bottes, Lisa. Salut Claude! Donc voilà, sur la première ferme. Et bien sûr, ici, nous avons un petit Fen Farmer 312 qui vient du modhub, avec l'IC du modhub. Je peux pas. Eh, oh! Pourquoi ça va pas, ça? Pourquoi ça va pas? Je peux pas ouvrir la porte, c'est quoi ce bordel? Bon bah écoute, il veut pas que j'ouvre la porte. C'est nouveau. Un petit fameux important, il déchire. Non, c'est bon. Moi, j'ai pas réglé mon volant avant le jeu. Ah, il a fallu que je me mette en pas. J'avais mis sur. Ah là, si, c'est bon. Je sais pas pourquoi il voulait pas dans le bâtiment. Voilà, tout est. Là, on peut soulever le capot si on veut. Capot, allez hop, il est vraiment bien. Quand on est dedans, on va se mettre en vue intérieure. On va activer l'IC. Là, on peut mettre les clignotants. Toc, là, on met le clignotant. Toc. Baisse. Là, je peux adapter le moteur, mettre en route les feux, les warnings. Là, hop, on ouvre la fenêtre avant, on ouvre la porte. Ici, c'est pour je sais pas quoi. J'ai pas vu. Là, on peut mettre les gyrophares en route, la radio en route du jeu, mais j'ai pas envie. C'est pour le pro ouvrant. Il est vraiment bien. Voilà, il est bien mis. Salut Julien, comment tu vas? Donc voilà, on a un bon petit tracteur. Alors du coup, je vais regarder ce que c'est ça. C'est les feux. Oh, les feux arrière là. Et ça, je vais regarder ce que c'est. Ah, c'est pour soulever ou baisser le relevage. D'accord, ok. Mais c'est génial ça. Voilà, j'ai même découvert un truc avec vous. Bon. Alors. Donc voilà. Ce qu'il nous reste à faire. Gaffe au courant d'air, à mon avis. Ça sent que tu lâches une caisse quand tu fous tout. Là, tu vas voir mon papito. Viens en vocal, je vais te mettre une petite fessée. Ouais, alors je sais plus si j'ai. Je crois que c'est Alt O. Non, c'est Alt. Je sais plus c'est quoi pour Alt F, je crois. Non. RL F. Ah, je sais plus c'est quoi pour ouvrir le mode que j'ai mis. Oh merde. TRL, mage droite. RL droite. F. Voilà. Donc. Comment il va Claude? Allez, venez en vocal à les habitués, hein, je suis pour les vaches, donc nous allons avoir besoin des 4 aliments là. Donc la ration totale mélangée, du foin ou foin de luzerne ou foin de trèfle, l'herbe, luzerne, trèfle frais pour l'herbe. Et en ensilage, on aura besoin de l'ensilage de trèfle ou de luzerne. On aura besoin des 4 pour 60%. Les moutons, c'est pareil, j'ai fait pour qu'on ait besoin des 3. Donc ensilage de luzerne ou ensilage de trèfle. Du foin, trèfle ou luzerne ou foin normal. Et de l'herbe, pareil, herbe, luzerne ou trèfle en frais.
Et pour les cochons, j'ai changé un peu. Donc ici, on peut mettre en aliment de base maïs, sorgho, millet, céréales, en blé, orge, seigle, épeautre, triticale, plus nourriture pour cochons, mais on s'en fout. Et protéines, soja, colza, tournesol, épeautre et nourriture à cochons, mais on s'en fout. Et au lieu d'avoir des betteraves et ou des patates, j'ai mis de la fibre alimentaire, donc du pois ou du lin. Voilà. Donc du coup, je vous ai pas montré les cultures qu'on a rajoutées avec Cédric. On a rajouté du seigle, épeautre, triticale, millet, lin, pois, luzerne et trèfle. Et donc du coup, comme vous avez pu voir, on voit pas pour les poules aussi. On n'a pas vu pour les poules. Parce que les poules, j'ai changé aussi. Il faudra des protéines, qui vont être le maïs, le sorgho, le millet ou l'épeautre. Et puis triticale, lin, ce sera pour les céréales. Voilà, ça va très bien. Et salut Guigui, salut Laurent, merci à tous d'être là, ça fait très plaisir. Merci déjà aux 25 pouces bleus. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une Kuma, les amis. Ouh, les choses. Ah, quand on est sur ordi, ouais, on peut se le permettre. Et donc, je voulais aussi faire mon prêt. Alors, on a 5 champs, moi aussi, au départ. J'ai oublié de vous dire. Je vais aussi tirer à la roulette. Donc, on a X, le 38, le 91, le 85, le 50. En haut, sinon, j'ai que 4 champs. Putain, mais j'ai que 4 champs. J'en ai oublié un de tirer, hein. Ah, j'ai oublié de tirer un champ. 38, 91, 85, 71, 65. N'oubliez pas les pouces bleus, amis. C'est reçu. Merci, papy. Donc, voilà. Ah oui, et j'ai oublié un truc. Salut, ici, Mule Gameplay. Interdit au GPS sur cette map. Voilà, clairement. Je ne jouerai pas au GPS sur cette map. GP5, pourquoi 5? Là, c'est la ferme. J'ai pas de champ, là, c'est la ferme. 3, 4, 5. Donc voilà, j'en retirerai un. On va retirer un. Au pire, c'est ce qu'on va faire. On va en tirer un ensemble. Même si c'est bon, celle-là. Je vais en tirer un. On a un à 108. Ouais, c'était 105. Un à 105. Tac. Lancer le tirage au sort. Le champ 15. Mais j'en ai pas à 5, les gars. C'est la parcelle, c'est la ferme là. Regarde, vous voyez où le 5? Salut Dimitri, salut Stanislas. 91, 38, 55. Non, attends, 71 et 85. Ah, attends, j'ai fumé. 1, 2, 3. Ah ouais, j'en ai 5, j'ai rien. Attends, non. 1, 2, 3, 4. Putain, hey, je suis aveugle, les gars. 91. Il est là. Le 38, il est là. Le 55. Le 71. 1, 2, 3, 4. Mais lequel je joue? 5. Ouais, j'en ai 5, j'ai rien dit les amis, j'ai rien dit, c'est moi qui déconne. Oh, et j'ai fumé des pétards moi aujourd'hui. J'ai tourné. pas de demande de modo, Stanislas. Salut Nanems. J'ai assez de modo et on ne demande pas les modos. Merci. Bon. J'avais dit. Putain, du moment que tu regardes vers le nord, hein, ça va plus. Allez. Bonjour monsieur Giflod. Donc j'ai dit que je voulais créer une Kuma. J'avais dit que je la mettrais sur serveur la partie, mais j'ai eu un bug de mode juste avant. Je pose ma bière. Non, je m'appelle pas Fredo. Tac. On va recréer une ferme qui va s'appeler. On va l'appeler la Kuma, simplement. Kuma de la boxe. Non, la Kuma de Bonneval. On va la mettre en orange. Une ferme. M'énerve avec l'hashtag. Hop. On va aller dedans. On va donner les droits. Tac. Hop. La goutte dans le café, mais. Hop. Donc, on va acheter. En problème, en plus, ça devait vers le nord. X, je voulais acheter pour faire la Kuma la ferme céréalière. Tout simplement, ça y aura même un silo.
Donc ce qu'on va faire, c'est que pour la Kuma, on va prendre notre acteur pour ramener le matos. À la Kuma, on va acheter, j'avais dit, le pandeur à chaud. Donc on va prendre celui-là, c'est Cédric qui nous l'a fait, enfin, qui nous l'a converti. Les lunettes. Eh, je vous emmerde là, les deux de la team. Là. Venez voir prendre votre fessée. Donc ça, on avait dit un épandeur à fumier, je vais prendre le de Guillaume, en capacité 16 500, on est en France, on va prendre des standards, bim, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre, hashtag Miro, mais hey, je t'emmerde Tintin, non mais sérieux, attends je suis en train de me transformer en Fredo, faut que j'arrête, la cuvalisier de la Kuma, ça va être la Mogin, parce que je l'aime beaucoup. Hop, tac, on avait dit quoi d'autre qu'on achetait là-bas. L'autochargeuse aussi pour la Kuma. La Kuma qui va y avoir. Et tu veux encore claquer du jambon quoi. on va les prendre en mitas, les pneus j'aime bien. On va laisser comme ça la belle chou. Acheter, on avait dit quoi d'autre aussi. J'avais dit quoi d'autre. La presse, on l'a déjà ou on l'a plus. Je sais plus. Ah, je crois que j'ai oublié d'acheter la presse pour nous. Fouche, c'est bon. L'enrubaneuse qu'on avait dit. L'enrubaneuse du pack Goël. On s'en fout. Point chargeuse, 3 points chargeuses avant. Couleur du film, on va se mettre en. On va les prendre en bleu. J'aime bien comme ça en bleu. Le gérant pour la Kuma. Non, j'ai pas de gérant, papy, pour la Kuma. Merci, Gilles. Merci beaucoup. Comment tu vas? Bonjour à toi. Et transport d'animaux. On avait dit aussi la bétaillère. C'était celle-là que j'avais dit qu'on achèterait. Hop. Et puis je voulais essayer aussi pour transporter les poules, mais j'essaierai en privé avant de, la, de l'acheter la machine là. Puis on est déjà pas mal. On est déjà pas mal, je crois que j'avais dit que ça. Il t'en faut un. Ouais, non papy, non, tu vas me ruiner. Non. On verra plus tard pour rajouter des bennes aussi à la Kuma des plus grosses. Peut-être une barre de coupe aussi à tournesol, on verra. Là, pour ce que, puisque c'est... Du moment que je vais dans la ferme. Je vais monter dans le tracteur. Bah oui, forcément, j'ai pas les droits. Je n'ai pas les droits. Faut que je retourne dans la ferme là. Hop là. Les statuts sous-traitants. Voilà. Hop. J'ai pas fait mon volant. Ça l'a pris une mode, je sais pas c'est lequel qui me fait chier, plus la perte de FPS. Allez, on est parti les amis. Ah, j'ai des warnings sur certains modes, faut que j'essaye de voir si c'est ceux-là. Merci pour les 32 pouces bleus les amis. Oh là là, c'est dégueulasse. Dégueulasse, et je regarde pas vers le nord, c'est ça le pire. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là là, mais je peux pas vous présenter un stream pareil moi. Bon tu dégages toi putain. Du coup, je vais décharger, mais je crois.
Ah, déjà, c'est... On fait ça. J'en ai bon. Alors. Laisser le rouge arrière. On va ramener tout ça à la Kuma, les amis. Moi, je suis pas bien. J'ai même pas regardé. Ce sera pas que Trello, hein, la nouvelle série, les amis. Hein. Attends. C'est parti. À mon avis, vu qu'on va se diriger vers là-haut. J'avais pas ça hier soir. En fait, c'est à la ferme. J'ai un truc qui va pas à la ferme. C'est la ferme, ça va mieux. Pense savoir ça. Non, ça va pas mieux. Bon, de toute façon, je retesterai de mon côté. Je suis désolé de vous proposer ça. Même pas ce que je fais, c'est en train de me saouler, je crois que le stream il va bientôt se finir. Ça va aller plus vite. Démarre le PC, t'es un rigolo, non, c'est pas le PC qui fait ça, la NMC. Ah mais je pense que j'ai un petit problème de config mode et dégueulasse, j'ai l'impression de faire un stream de merde là. Putain. C'est que là je vais déposer, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer vite fait de faire un truc. Alors je sais pas si ça va marcher ou pas. Yo. Ah. Comment ça va? Ça va pas. Ça va pas, ça lag à mort. Ouais, je sais, mais il y a un truc qui va pas, et bien sûr, je suis rentré tard du taf, et la partie était sur serveur, elle voulait pas démarrer. Ouais, mais à mon avis, ça vient de la map, hein. Cherche pas, hein. Quoi, tu vois les commentaires sur King Mode, oui, ça... Non, mais en ça fait, tous ceux qui mettent les commentaires là, ils ont des petites configs. Moi, hier soir, le problème là, je l'avais pas avec Cédric. Moi, ça me le fait aussi, hein. Bah ouais, mais... J'ai pas une petite config. Bah ouais. Je vais essayer de la tester là, sans mode, pour voir.
de mon côté. De toute façon, on a essayé de modifier un truc avec Cédric hier soir et je l'ai pas remis la nouvelle version de la map. Et je vais tester un truc vite fait, je suis en partie hébergé, j'en ai pas pour long. Ouais. Ouais, parce que le serveur il voulait plus démarrer. Je vais virer un mode que j'ai vu que j'avais un warning dessus. Parce que là, si tu regardes la console, j'ai une erreur. Map Avia Bud Shape Smoke Dinner. Smoke Matching. Data. Et Pardon. Bon, on va sauvegarder là. J'ai rajouté des cultures, c'est pour ça que ça bug. Non, non, Julien, c'est pas pour non, ça. Non, ça non, non. Non, c'est pas pour ça, Julien. Non, non, t'inquiète pas. Ça a été fait proprement, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de ce côté-là. Ouais. Donc, on va quitter la partie. Ouais. Et on va revenir sur l'écran de start. Je vais quitter, je vais enlever le mode dans mes modes qui fait bordel. Merci Fredo. Mes modes, donc faut que je trouve aussi. Santé, mais pas des pires, non. Comme on dit. Merci Mika aussi, j'avais pas vu. Tant que c'est dans les oreilles que je t'en ai mis plein, toi, ça va, te plains pas. J'aurais pu t'en mettre plein ailleurs. Le problème, c'est que c'est Mika, une Sierra 3000, j'ai vu qu'il était plein d'erreurs. À mes amours aussi, Pascal, ouais. Mais ça, c'est quand t'éternues une deuxième fois, normalement, qu'on dit ça, je crois. Ah, enfin, par chez nous. Ouais, moi aussi. Allez, mon copain qui est là. Il y a mon cousin qui est là. Il y a mon cousin et mon copain. Sinon, après, je suis aux urgences. Oh putain, vous êtes dégueulasse. réanimation, Tintin. Ça, c'est ce qu'on a modifié avec Cédric. On a modifié une texture sur la map qui faisait problème. Je vais la remplacer. On va redémarrer, on va voir ce que ça dit. Coucou, Soso. Bon, le va, Soso. Désolé, les amis, pour cette petite imprévue. Ah, j'ai vu ta photo, Clem. J'ai un café, moi, putain. Hier soir, j'étais fluide avec Cédric. Ouais. Ouais, mais de la partie, elle bloquait 99%. Ah bon? Ouais, tout à l'heure, quand je suis rentré. Salut, Michel. C'est Michel. Merde, pourquoi je vais là, moi? C'est pas là, c'est carré. Non. Comment ça va, Michel? Multijoueur, écrit une partie. Utilise un téléchargement. Non. Non, je le veux pas, je veux pas. Oui, je veux continuer. Oui. Il se fout de ma gueule, lui. J'espère que ça va faire avec la version de la map là. C'est quoi le nom de la map déjà? Bonneval. Bonneval. Où es-tu, Bonneval? Ça se fait que t'es fort. Ça se trouve, je l'ai même pas dans mon dossier là. Bon, est-ce que déjà. Ça va être pas dur de voir, de toute façon. Que. Faire la game FP. Bah, ouais, je suis pas en jeu. Moi, je suis pas sur le jeu. Pour une game. Allez. C'est toujours la même. C'est toujours la même chose. Bonne val, oui, je l'ai là. Hop. Collé. Un truc, putain, mais. Hop. Je pense que le stream va très vite se finir parce que c'est en train de me péter les couilles. Ouais, sinon, non, tu zappes sur. Non, non, l'autre, je peux pas la zapper, il n'y a pas eu d'œuf de fait. Donc. Mais non, sur. Sur la limousine. Je peux pas, il n'y a pas eu d'œuf de fait. Il n'y a pas eu quoi? Il n'y a pas eu d'œuf de fait dessus. Ah! Hop. Regarde là-bas, putain, mais merde.
Je te démentis quand tu marches. Je suis à 25 FPS. Celle-là, bah oui, elle est propre quand, quand on bug pas, mais le problème c'est que, bah voilà, quoi, ici j'ai une perte d'FPS à mort. Là, si je... là, du moment que je regarde vers là-bas, c'est fini, quoi. Là, je reviens là. Mes FPS, ils vont monter. C'est dingue. C'est dingue. Flo, il a réussi à streamer l'autre soir dessus. Ah bon? Ouais. Alors, je suis en train de me demander si c'est pas... Là, bah là, je suis au magasin, j'ai pas de mode, j'ai zéro mode à part la map, et pour l'instant, j'ai rien. Et je pars du magasin, tout à l'heure, en partant du magasin, t'en avais, non? Quand tu montes, ouais. Quand tu montes. Ouais. Ouais, si, j'en ai aussi. Problème c'est vers pas... Ah si ouais, je suis à... Quand je regarde au magasin, je suis à 60 FPS. Et dès que je regarde devant moi, je descends à 45. Putain. Puis j'ai les images qui... Ouais. Ouais, non, c'est horrible. Pourtant, il a fait une mise à jour. Oui, non, mais la mise à jour. Pour apprendre à lire dans la mise à jour, c'est pas... Il n'y a pas eu... Il a pas modifié. Il n'y a rien d'écrit, ouais. C'est, il a modifié le truc qui a été... comment ça s'appelle ? La grange qui était pas bon au cochon, il a modifié je sais plus quoi, mais il a pas modifié. Mais après, ça venait peut-être de ça aussi, hein, les ralentissements d'FPS. Hein, parce ça que moi j'ai modifié. De... Moi je l'ai modifié. D'accord. Non, non, c'est. Là, si je regarde mon log. Regarde ton log, j'ai la Mojin, mais ça, la Mojin, on sait ce que c'est. J'ai encore celui-là, le Safe Make Concrete Pro. Ouais, le silo à raisin quand même qui a été modifié, ouais. Le concrète, le self-made concrète. Donc il est limite qui me fait chier. Le lizard, je sais ce que c'est. Et potting missing, attachement définition. Et j'ai encore le hardy master, mais c'est des textures. Correction du positionnement de la grange dans la ferme des cochons, amélioration de la détection du trigger des poules dans la ferme des vaches, correctif de l'usine à raisin dans la ferme viticole, de nouveau pleinement fonctionnel, aucun besoin de redémarrer une nouvelle sauvegarde, merci à tous pour vos nombreux retours. Voilà. Alors, j'ai failed to open file data FS17 pour Shaders Vehicle. Shaders Vehicle, c'est sur lequel qui s'en fait ça. Non mais ça, pour nous il a jamais posé problème. La map, vision map, non, c'est pas du tout, ça vient de quoi. Bon. Là on est beaucoup plus fluide quand même. Hein. Je redescends vers mes champs, je suis beaucoup beaucoup plus fluide. Pas de quoi ça vient. Ça fait chier. Et ça fait chier. Désolé pour le fait que ça lag, je sais pas pourquoi. Ça... Ah, bah papy il a coupé. Il n'y a plus de connexion. Par contre, est-ce que je peux faire ça et que je vais dans paramètres là. Je vais en sortie, là on est en streaming. Bah alors Poppy? Bah ouais, j'ai crash encore. Ouais, comme c'était quand que t'as crash? Samedi je crois.
Mais dis samedi, ça a duré une heure. Hein. Une heure? Une heure plus sans connexion, bah plus de télé, plus rien. Ah ouais? Oh putain. Rapidité la plus basse. Mettre très faible. Mettre faible latence. J'ai essayé d'envoyer un tout petit peu plus haut. Et de modifier 2-3 réglages, voir ce que ça donne. On verra bien. J'ai testé avec la nouvelle version quand même. Ah, c'était l'ancienne version que t'avais là? Ouais, c'était l'ancienne, là je viens de télécharger la nouvelle. J'ai refait 2-3 petits paramétrages, mon CPU est un peu moins utilisé. Ouais. Après je suis sur la descente, je suis pas. Il faudrait que je remonte pour voir si ça change quelque chose. Non, du moment que je regarde vers le nord. Oh là. Dingue. Retintin. Mais j'avais pas le souci là moi hier soir quand on a joué. Mais attends, j'avais tout à l'heure, j'avais pas désactivé tous les DLC, là j'ai désactivé tous les DLC pour voir. Des fois que ça soit il y a un DLC qui. Ça me fait même laguer mon OBS, hein. C'est hallucinant. Wow, wow. Alors, un tracteur. On s'en balèque. Hop. Ah non, toujours pareil. Toujours pareil. Oh putain, elle a... Voilà. Là je bouge pas, je suis à 26 FPS en regardant le nord. Pas venir des arbres. Bah je sais que tu peux pas en rajouter sur la map, déjà des arbres. Le truc c'est que moi je suis fluide. C'est ça le pire, c'est que moi je suis fluide. C'est le stream qui est pas fluide. C'est ça le pire. J'ai une petite baisse d'FPF, mais je suis fluide. C'est le stream qui est dégueulasse, qui retombe à 32 FPS. Bon, je vais essayer un truc. Ça va marcher. Non, ça marche pas. Je vais enlever la cam. Le cadre rond. Eh bah c'est bien pour toi Julien. Mais essaye en stream Julien, tu vas voir que ton PC prend plus cher. Puis même moi hein, là je l'ai testé sans mode et sans mode ça me le fait. Donc après ça, je sais pas. J'ai même désactivé tous les DLC, j'avais vraiment que la map. Et dès que je monte en sortie de magasin, ça lag. Ouais, et j'ai pas un petit PC. Hein. J'ai pas non plus une bête de course, mais c'est pas du tout un petit PC. Peut-être qu'il y a trop de. Il y a trop. Des arbres, ouais, c'est possible qu'il y en a trop. Après, je sais pas. Mais sur KingMod, il y en a qui disent qu'ils ont pas de soucis non plus. Hein. C'est bizarre.
Ouais, mais ils ont pas de soucis. Moi non plus, j'en ai hors stream, j'en ai pas. Là, là, le truc. Ouais, mais là, moi, regarde, je stream pas, puis ça lag. C'est ça. Je sais pas, je sais pas ce que je vais faire. Ouais, c'est embêtant ça. Parce que si tu peux pas aller au nord, ça te chiant quoi. Bah, ouais, c'est clair. T'es un sudiste, tu travailles que dans le sud. Bah, ouais, mais le problème c'est que la Kuma devait être au nord. Donc, Bah, ouais, je sais bien. Y a pas Enfin, d'autre je sais ferme. bien, non, je sais pas. Je peux pas implanter ailleurs la Kuma. Il est là le problème. À moins de supprimer un. Ouais, mais c'est pareil, même si tu travailles qu'en bas, mais si dès que tu vas regarder vers le haut, ça va le faire aussi, non? Tu À vas moins de regarder vers le nord, non? trouver comment faire. À moins de trouver la couille qui fait ça, mais ouais. Je sais pas. À moins de. Je vais essayer un truc. Ça pourrait être quoi ce bug avec le nord? Je ne sais pas. Franchement, on pensait que c'était une texture, on l'a changé hier soir avec Cédric, j'ai mis la version là et ça fait toujours pareil. Donc je peux pas vous dire. Moi, il y a que la map là. Ouais, moi aussi, il y a que la map là qui lag. Je vais essayer de retourner nos paramètres. On va retourner dans la sortie. Salut l'attend. Ça, je vais me remettre en. Donc, où j'étais. Je vais m'en remettre en main. Bizarre pour. Là, même si je baisse au niveau de mes paramètres, toute façon, je peux pas le baisser. Oh, je peux rien faire. Et je coupe le stream pour essayer de changer quelque chose et je peux pas. Je sais pas ce que ça pourrait être dessus qui. Je pense que s'il a fait une mise à jour et qu'il l'a pas corrigé, c'est que même Bah lui il doit lui, pas l'avoir quoi. ou il l'a pas, ou il sait pas ce que c'est. Oui, ouais. Parce que ici on a quoi? On a un point de vente. C'est la ferme à moutons. Ah, puis là, moi j'ai les ventilos qui. Je viens de la remettre en route la map là. J'arrive, ça là. Les ventilos, ils étaient pas en route, hein, ça laguait pas, et là, ça s'est mis à laguer, j'entends les ventilos du PC qui se mettent en route. Ouais, est-ce que ça cherche Ouais. sur ton PC? J'essaie d'envoyer un peu moins. On va Je voir vais ce qui. acheter une tronçonneuse, moi. Essayer de couper des arbres de mon côté, voir. J'essaie d'envoyer un peu moins d'images, moi, par seconde. Est-ce que ça va pas aider mon PC aussi? Ah oui, mais. T'as pas le mode bûcheron? Bah non. Bon, ça change rien que j'en vois moins. Vraiment rien. Ah, quoique. Ça change pas. Alors, attends. Vu que j'ai 1500 et quelques, je vais peut-être envoyer 10 000, on va voir ce que ça donne. Putain. Bah oui, oui, bah oui, même dans les FPS, je crois. Oh là là, oh là là. Putain, c'est horrible. Bon. Puis je crois que plus tu montes, plus c'est pire. Mille. 10 000. Ah, avec la F12, tu peux pas supprimer des arbres. Mais au pire, moi je le ferai sur le Giant Editor au pire. Non, c'est toujours pareil, j'ai beau envoyer plus de données. Non. Oh la vache, je suis à 30 plus. J'étais à 40 et plus je m'approche du bord de map dans le nord là, je suis arrivé à 30. Ah ouais? Ah ouais. Je suis descendu à 20, à 15 et quelques, moi, le jeu. Et c'est bizarre, je suis toujours au nord, je redescends à pied et là c'est mieux. C'est vraiment quand tu regardes, Ouais, quand mais t'es je suis dans en le train sens. de redescendre, c'est la même chose.
putain, la vache. Il y a un truc là-haut qui fait... C'est buggy, mais va savoir ce que c'est. C'est hallucinant, parce que là, je suis hyper fluide. Hein. Et mon CPU qui redescend, mes ventilos ils sont calmés. Tu sais, je redescends vers le bas, tout va bien. On va essayer d'avancer quand même un peu. Je sais pas comment je vais faire. Mais voilà. Ah, là, je vais vers le sud, c'est nickel. Il y a quelque chose qui fait que... Voilà, j'ai un défaut, mais ça peut pas être ça. Tu vois, le plan d'eau, ils sont écartés. À un moment donné, l'eau, ouais. les plaques d'eau, ils se touchent plus. T'es où? Dans le nord. Cherche pas, c'est ça? Mais je pense pas que ça soit ça. Attends, je vais me mettre en mode vol. Tu sais, c'est les plaques d'eau que tu mets. À mon avis, ça doit être de la déco ou un truc comme ça. Enfin, c'est le. Vas-y, de toute façon, je vais te le dire. C'est monte au bout du champ 21-99. 4 plus 99. T'as un chemin, tu vas avoir un chemin de terre. Alors, attends. Là, je suis au 99. Attends, parce que moi, ça. Ouais. Sur l'écran, ça. Ça fige. T'as le pont en ferraille, t'as les travaux, t'as le pont en ferraille. Le pont en ferraille. Là, ici. Attends, parce que moi, je dois être en retard, je pense. T'es encore en l'air ou ah, descends ouais, je suis encore en l'air. Ouais. Vas-y, descends au pont. Là Non, pas ce pont-là. Va au. Tu vois, il y a des panneaux de chantier, tout ça. Non. Attends, ce. Là, je suis à 21,99. Voilà. Là, je suis entre les deux. Voilà, c'est ça. Et tu. Attends que. Descends dans le. Sous le pont en ferraille, là. Qui était à ta droite. Ouais, je voulais. Pont. Voilà. Là, tu descends. Par contre, tu descends. Tu montes pas, tu descends. Je descends vers et le. Tu vas voir, il y a deux plans d'eau qui se touchent pas. Mais ça doit pas être ça. Ah oui, là. Normalement, c'est deux plans d'eau qui se touchent pas. Oui, c'est pas ça. Non, oui, c'est pour ça. Non, c'est pas... non. Là, je suis en train de redescendre le cours d'eau. Dans le lac. Là, je suis redescendu. C'est vraiment là-haut, hein. Il y a un souci, hein. Je suis à 40, moi, là, dans le haut, mais c'est pas net. Non, moi je monte dans le haut, je suis à 36. Il y a un truc qui est ici. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a trop d'arbres? Tu te souviens, j'avais déjà le même problème quand tu tournais la série de bois. Ouais. J'enregistrais. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas vraiment trop d'arbres? Tu crois que c'est vraiment ça? Qu'il y a vraiment trop d'arbres? Bah, tu sais, il y en a quand même pas mal, hein. Tu peux pas en rajouter sur la map. Ah ouais, donc il a vraiment chargé en arbres, à mon avis. Parce que là, jusqu'ici, là, je suis fluide. Ah, là, je redescends. Là, on va remonter. Et là, du moment que tu regardes vers là, il y a un truc qui va pas. Ça peut. Le VCA, il est sur quoi? Il est sur le modem, non? Ouais, ouais. Et là, du moment que tu arrives là, bah. C'est fini, t'es dans la panade. Contenu, ça doit être dans gameplay, je pense. Remonte là. Ah, regarde. Hey. Je suis en dehors de la map, hein. D'accord. Je suis fluide. Je regarde vers la forêt. C'est mort. Et là, ouais, je redescends, j'ai une chute. Ouais, bah, tu sais quoi, je vais essayer de supprimer des arbres, à mon avis. Je vais essayer d'en supprimer. Il y en a qu'on a vraiment pas besoin. Eh, t'as supprimé des maps, Laurent? Des arbres? Ah ouais, non, mais si, quand tu regardes, il a fait tout son tour de map en du nord avec que des sapins. Plus la forêt qu'elle a. Mais là, ici, je suis fluide et c'est vraiment. C'est vraiment quand je suis là, par là, ouais. Il y a un truc qui fait que. Ouais, j'essaierai d'enlever des arbres. C'est quoi le nom du mode bûcheron? C'est Lumberjack. Alors le problème c'est que je vais pas pouvoir faire grand chose si je fume des arbres. Ou je le fais en... Est-ce que je le ferai pas avec vous les amis? Est-ce qu'on lancerait pas Giant Editor et qu'on supprimerait des arbres, voir si ça change? Ça te dit ou pas? Bah ouais, fais ça au pire. Au moins, tu seras en live. On essaye de trouver des solutions en live. Non, qui dit Julien. Oui.
Essayez au pire, un peu. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa. Sur quel tour ça va aller vite. Allez, vamos, qui Tintin. Vamos à la playa. Vamos à la playa, Tintin. Vous allez voir mon bureau. Bureau. Alors, bureau. Elle est. Bonne Vallée, là. Map. Map 3D. Salut Bounty. Tetra Bounty. Salut à toi, tout le monde. Salut Tetra Bounty. Comment tu vas? Comment il va? Le problème, c'est que t'as même pas d'erreur dans la console. C'est ça le truc. Dans la console du. De Giant Editor. Ouais. Ouais, donc ça se trouve, ça vient des arbres alors. Ah oui, c'est ça le truc. On a réduit sur serveur la texture avec Cédric. Mais qu'elle est pas, parce qu'il y en a une qui faisait 60 mots, on pensait que c'était ça, mais c'est pas du tout ça. Ouais, pourquoi je peux plus ouvrir. Je peux pas ouvrir mon VCA moi. Ça. Bah. Ouais. Avec moi. Ah. Si je veux, je peux enlever tous les sapins. Ah bah, tiens, regarde. Ça va enlever une paire de sapins quand même, mais. Ça enlèverait tous les sapins du fond de la map. Moi, je dis. On peut tenter, hein. On peut tenter, hein. Et quoi, je le tente. Allez, supr. Fichier enregistré. Zoup. Allez. Oui. On va la zipper puis on va retester. Ça se trouve, c'est ça. Hein. Je cherche pas. C'est trop d'arbres. Hein. Le problème, c'est que j'ai remodifié sur Giant Editor ce que j'avais replacé et tout. Et il y aura des arbres entre. Moi, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Vraiment désolé hein, les amis pour ce contretemps. Mais je pense qu'il a trop gavé en arbres. Trop d'arbres pour les petites configs. C'est chaud quand même quoi. Même quand tu jouais sur la série boîte, t'étais pas forcément fluide toi papy. Hein. Ça dépendait des moments, ouais. Après, la map bois qu'on avait était gourmande. Ouais. Carrière. Je vais me laisser en multi. Je suis en train de couper des arbres au fur et à mesure que je monte vers le nord sur la route là au passage. J'ai l'impression que c'est. Le fluide. Que c'est mieux, je sais pas. C'est peut-être dans ma tête, hein, je sais pas, mais. Peut-être, on sait jamais. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Parce que du moment que tu redescendais vers là où tu avais moins d'arbres, elle était plus fluide. Je pense que tu auras un problème de texture générale. Tu la graisses sur toute la map. Bah, puis déjà, on aurait peut-être l'erreur dans la console. Oui, aussi, oui. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas d'erreur. Hein. Oh putain. Bah, c'est ça, hein, cherche pas. Cherche pas. Je suis en train de monter vers le nord. Ouais. Voilà. Là, je suis au même point que tout à l'heure, les amis. Je devrais être 30 FPS. Alors là, je suis hyper fluide. C'est bon, j'ai trouvé le problème, les amis. Il y a trop d'arbres sur la map. Sortez vos tronçonneuses. À tous, je le dis, suivez les conseils de papy.
Sortez les tronçonneuses. Sortez les styles. Ou les Husqvarna. Ouais. Bon, ben voilà, on a réparé ça. Je me mets à la ferme, quand on regardait vers le nord, on laguait à mort. Là, on lague plus. Ok. Je ne lague plus. Ok, ok les amis, on lague plus. Trop d'arbres tuent les arbres. Après, Julien, c'est peut-être pour ça aussi que t'as peut-être une meilleure config que nous. Si t'as peut-être un plus gros pros, une plus grosse carte graphique. Ça peut jouer aussi, hein. Parce que les mecs qui disaient qu'il n'y avait pas de lag, je crois qu'il y en a un qui disait avec une 3060. Bah oui, forcément. Ah ouais, bah oui, tu m'étonnes. Moi, j'ai qu'une 2060. Voilà. Même moi avec ma 2080. Qu'une 2060, c'est déjà pas mal, je dis, mais... Ouais. Bon, là, on est bon. Là, on est bon. Donc, du coup, on va enfin pouvoir jouer, les amis. Et d'ailleurs, ça n'a pas bougé. Attends, faut que je retourne à la ferme. Mais, j'ai pas mes arbres qui sont réapparus dans le bâtiment. C'est beau ça, c'est beau ça, c'est beau c'est ça. C'est beau. C'est beau ça, ça c'est beau ça. Allez, regarde vers le nord, juste pour faire plaisir. Ah, 60 FPS, voilà. Bah, donc du coup, je veux mon fent. On retourne au magasin. Alors, on va se promener un peu sur la map, hein, je vous le dis, hein, clairement. Donc, Laurent, tu avais raison, il y avait trop d'arbres. Suivez les conseils de Laurent. Voilà. GG à Laurent. GG à Laurent, dans le chat, un grand GG à Laurent. Laurent, on t'aime. Cédric il va adorer. Après papy si tu veux me rejoindre. Ouais. Faut prendre le serveur boîte, télécharge les mods et puis la partie elle s'appelle Team ASG. Ah mais t'as pas la bonne version de la map. Ah non. Bah oui. Bah puis tout le temps là je vais aller chercher Ah oui t'as cherché Siana. Siana mais je reviens après quoi. Bon, ça marche. Faudrait que je te fasse un lien work upload pour la map vite fait quoi. Vite fait le temps que j'aille chercher Siana au pire si tu veux, ouais. Ouais, on va faire un lien work upload. Vous connaissez work upload? Et tu m'as dit. Ça sert à rien que je me déchire. Je suis en train de couper des arbres depuis tout à l'heure. Mais... Allez, papy. Ça sert à rien que je me fasse chier à faire ça. Moi, je sais même pas pourquoi je faisais ça de mon côté. Mais... Je sais pas. Papy, il en a rien à foutre. Lui, il coupe des arbres. Il est pas comme ça. Sur Discord ouais, sur le. Il m'a peur et sur ton live, il a la soluce. Ouais. Après, c'est facile hein, de finir un tour de map. C'est beau, hein. Moi, je dis pas que c'est facile. C'est beau de finir un tour de map avec des arbres. Ça donne un cachet. Mais trop d'arbres pour les petites configs. Aïe, 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 aïe. T'as, il a dû cliquer un paquet de fois sur la souris pour poser non. Les arbres. Tu sais qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a même pas besoin. Hein. Non, t'as un pinceau qui fait comme de la peinture. En fait, tu cliques sur l'arbre. Tu fais. Tu restes calette. Appuyé sur le clic, puis tu te balades. Et après, tu fais comme si tu peignais, ouais, puis tu te balades, puis ça peint les arbres. D'accord. Tu peins des arbres, voilà, en fait. Vache. Ah oui, c'est pour ça, oui, il a dû jouer du pinceau, le gars. Ah bah putain, non, serveur bois. Serveur bois, tu m'as dit. Et je remets le work upload de la map, le work upload. Serveur bois, hop. Ah là, c'est bon, j'ai envoyé papy. Alors par contre, on est où sur la map? Parce que papy... Moi, ah bah c'est bon. Mais le lien du serveur, c'est celui-là qui est juste au-dessus, non? Non, c'est lien serveur. Normalement, il y a un truc lien serveur. Ah, il est dans lien serveur. Lien serveur, ouais. Il y a le serveur bois, ouais, lien serveur. Serveur, mais pour le serveur bois, d'accord, ok. Ou genre nom, mais ouais, c'est. Oh, tu passes la vitesse, le fan, là? Merci Tintin, on n'oublie pas, ouais, si vous voulez des jeux à moins 10, de moins 10 à moins 70%. Il y a Instant Gaming, les lingers portal pour moins 10% sur vos serveurs. Il y a l'infra en cube. Mais ça marche pour les renouvellements aussi. Bah écoute, vous savez quoi le fait qu'on a trouvé de quoi que ça venait avec beaucoup d'arbres, je pense que je vais le poster sur sa page King Mode. Au mec. Je pense que ça peut. Ouais. Si ça peut en aider plus d'un. Voilà. Tintin, t'as fait ton boulot de modo. J'enverrai ton bulletin de paye au comptable, mais le problème c'est qu'il sera bientôt pas là pour un certain temps, donc faudra que t'attendes. Hein. Là et. On aura peut-être un local avec nous, mais. Je sais même plus où tu me l'as envoyé le lien de la map. Je l'ai mis dans serveur bois ce coup-ci. Serveur bois. Voilà. Là, c'est un coup de sauvegarde que j'ai. Le mieux, il peut enlever les familles.
Ouais, tout à fait. Hein. Après, je le mettrai. Putain, c'est vrai que sur le Pixel Z, il y a un. Le papy, il va adorer atteler les. Atteler les. Le matos sur la. Faut que je me rappelle des touches, c'est même A, c'est A et W. A et W. A pour atteler, puis W pour les flexibles, tout ça, non, prise ouais, de force. Ça. Ouais, c'est sympa, t'as pas besoin de. T'as pas besoin de leur faire deux fois comme sur FSE19 hein. Si bah tu restes appuyé sur... tu fais W, ça te met la prise de force, tu restes toi, appuyé tu sur restes... W, c'est les flexibles. Ouais. Mais te rappelles sur le. C'était sur le 19 qu'on était obligé de rateler ou d'ételer, il y avait pas un bug avec ça je crois. Ça dépendait des outils en fait. Ouais. On se fait une petite vue intérieure, une petite vue intérieure les gars. Putain. On active le simple IC, on met le clignotant, et on est parti. Ça télécharge, ça télécharge. À 2,5 Go, ça va aller vite. Bah le... Ouais, le tout le serveur, il reste plus que 50 secondes, et puis la map... Par contre, la map, elle, je la trouve longue. Ah mais comme je suis en train de télécharger les ouais, deux en même temps... Ouais, puis c'est du lien work code, hein, c'est pas pareil. Merci au 36 pouces. Ça va vite quand même, ça va vite. On va à la Cuma, et là tout à l'heure, on était à combien de FPS les mecs? On était à 12 FPS. Ah oui, c'est déjà plus joli à regarder. Bah ben oui. Il faudra juste que je trouve quel mode fait chier sur le serveur. Faudra juste que je trouve ça. Mmh. Je vais laisser sur le serveur. Mais je suis con moi ou quoi? Pourquoi je fais le tour par là? Appelez-moi gros bêta. Je tag abruti. Et n'oubliez pas les cartes chance et les cartes malchance les amis. Une à chaque sortie d'épisode. Moi j'ai une... j'en ai une malchance. Mais enfin ouais. Malchance je sais pas mais... Vas-y papy dit, on s'en souviendra. Après faut tomber, faut que ça tombe sur le bon épisode, faut... Ah bah ça... Interdiction de vendre des cultures. Ça pourrait être une carte malchance. Par exemple, ah bah si t'as oui, des cultures avant oui. Ce jour-là, puis tu tombes sur. Ah bah mais bon, oui. Faut que ça tombe le bon jour. Ah, c'est ça le problème. Ouais. C'est ça peut être une carte malchance, mais si tu la tombes le jour où tu fais la roulette, puis t'as pas de culture avant, tu t'en fous. Quoi. C'est ça. Donc, ouais. Pensez à ça tout à l'heure, mais je dis ouais. Malchance, ça peut... comme avec les arbres. Mika, tu sors. Bah voilà, tous les modes sont téléchargés pour que la map. Ça va, t'es princesse au fait? Ouais, j'ai hâte d'aller partir avec sa mère là, ils sont partis depuis ce matin. Puis Bastiana est à l'école, là, je vais aller la chercher d'ailleurs. J'ai été commandé mes. mes bas de contention ce matin, oh putain. Et dans le chat, on se fout pas de ma gueule s'il vous plaît. Hashtag bas de contention les gars. Non je rigole pas papy, j'en ai eu pendant un bout de temps à cause de mon tendon, donc je sais ce que c'est. Ouais. Donc bon courage à toi dirons-nous. Tu vas être belle papy. Oh oui il va être belle. Ah oui, je le sens bien que je vais être belle. C'est la merde à mettre surtout. Tu pourras pas te baisser toi ouais. Début en plus. Il paraît que c'est pas évident à mettre. Yeah, il va falloir que ce soit l'audit si on peut te les mettre. Bah ou à l'hôpital, ils vont me les mettre, je pense. Ouais. Quand je vais sortir. Tous les jours bah que j'en ai deux paires. Donc ouais, mais... Je sais pas si c'est pour dormir ou j'en sais rien. Bah du moment pour que tu marcheras pas. C'est le temps que... En fait, c'est le temps que tu vas pas marcher. Ouais, c'est ça, ouais, en fait. Ouais. Hashtag. Ouais, c'est ça, Nemnems. Tu dis à papy des bah acheter une jupette, une perruque blonde de cadeau. Il est déjà blond, c'est ouais. Bon. Je suis blond, hein, ça va. Hop, bon bah c'est bon, tout téléchargé. Plus rapide. Hop. Je vais regarder vite si je trouve la partie. Normalement oui, image G, tu devrais la trouver. Par contre si j'ai mis jeu croisé ou pas activé. Bon, il y aura un live par semaine sur cette série et un live sur la limousine par semaine. Et je vais essayer de vous sortir un épisode de chaque. On verra comment ça va se passer.
On va voir comment ça va être. Alors, le live pour les 1000-2000 abonnés se fera au mois de septembre. Pas avant. On dit clairement. On a tous des vies de famille, comment on peut dire, des vies privées qui font que. Benval, Tima et G. J'ai un. Dire que ce soit pas le serveur, parce que je l'ai pas désactivé. Un 0 sur combien? 0 sur 2. Y'a que 2 joueurs? Ouais. Ah bah c'est le fou là. Moi j'adore faire le tour de la map moi. Hein? Sinon, on fait que ça aujourd'hui. Comme ferme ici. On ferme à quoi ici? Disponible sur le modups, celui-là samedi. Échange cède animal system. Ah. Le Real 22. Real Dirt Fix. Ah bah oui, mais j'en ai désactivé. T'as téléchargé que les modes actifs peut-être toi. Ben non, j'ai mis le vrai couleur de. De ah, boue qui me manque. Ouais, parce que j'en ai désactivé tout à l'heure J'ai pris le carton marron, donc c'est marron. Ça. Le marron, c'est les actifs et ceux-là ils sont désactivés. Serveur, j'ai oublié de te dire de prendre l'autre. Bah attends, de toute façon, si je fais ça, ça se trouve que c'est et que du mode up normalement. Hein, qui... Bah donc j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Ouais, c'est ça que j'ai désactivé. Ils sont déjà téléchargés. Bon, il va falloir que je trouve des raccourcis pour aller plus vite quand même, parce que là ça me manque. Alors qu'on étudie ça les amis. Et là je fais trop le tour de la map. Ça va pas. Faut aussi qu'on fixe le prêt pour l'achat de la ferme et des véhicules. Mais qui va là? La map. Comment Flo? On aime bien découvrir la map. Bah ouais, je sais bien, vous aimez bien. Et c'est chez moi là. Et toi, la petite ferme, là, le côté c'était chez toi? Ouais. Bah non, t'es pas là. Mais t'es où? Pas là. Et bonjour à tous, c'est Yo 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 Papy. Salut mon loulou. On est lundi, j'allais dire, mais non, on est lundi en fait. Il a passé un bon petit week-end, le Flo. Ok, voilà, vous avez compris. J'ai vu que t'étais à la traite hier soir. Ah ouais, hier matin aussi, avant-hier, je me suis couché, il était 1h30. 1h30? Bon, on est en suivi, les gars, fait petit bordel de crotte de bic. Ah ouais? Autant que ça? Ah, on a pas fini? On a pas fini. Il reste 20 hectares encore. Pas beaucoup proche. Vous finissez quand? Bah c'est bottelé normalement. Bah je vais chercher Sienna, je reviens. Ah toute papy. On a fait de l'emballage. Yes. Faut aller chercher les bottes quoi du coup. Il y a 280 à peu près. 280 bottes? Ouais. Mais sinon il a prévenir pour la synchro lui. Ça en va, t'es synchro, t'es hop hop hop. Non mais yo. Du coup, papy va faire la Kuma? Bah, la Kuma, il va pas avoir grand chose à faire. C'est pas une ETA. Hein. De toute façon, ceux qui viennent, ils seront payés en tant que. T'as l'autoload, Flo, c'est bon. On est pas sur farming. L'autoload, c'est toi. Bon courage, du coup. Pour 280 bottes. Ça fait 18. Quand on est combien? 8, 8, 16, 16, 18, 24. Ça fait 10 plateaux quoi. 10, 11, 10, 11 plateaux. Il y a combien de temps pour charger un plateau si tout se passe bien? Alors là. Faut mieux regarder. Ça dépend si t'es tout seul ou pas. Parce que si t'es plusieurs, il y en a un qui te regroupe les bottes puis t'as plus qu'à charger quoi. Non, il avance au fur et à mesure le plateau. Ah oui, monsieur. Alors, si je prends par là. On prend par là, les gars. Tu veux aller où là? La ferme céréalière. Tu es en haut à gauche là, ouais, à droite là. Cumin, là. Je passe par là. Je passe par là. Tu sais, y a pas tellement de raccourcis là. Ah mais je crois que j'en ai trouvé un. Des raccourcis à la rallonge. Non, raccourci là. Tu charges. Oui, c'est sûr. C'est plus long. Voilà. Et j'arrive directement à la Kuma, voilà. Ah juste que je rajoute des panneaux Kuma ici. Dans la bourse. Merde le con, je fais annuler. Mais quel abruti. Je suis dans la bourse les gars. Je suis en Normandie.
Hein? La Beauce, c'est pas Normandie. Ou alors, c'est à côté de la Normandie. Pourquoi tu tournes, mais la tête, elle tourne. Hop, alors. On débranche le flexible. On dételle. Voilà. Je crois que Papy va réussir à s'habituer à appeler des prix. Pourquoi tu lui fais chier, toi? Je sais pas. Bah, j'ai pris mes cours de tuto pour rajouter des cultures, Flo, bah... Comment dire? C'est compliqué. Surtout quand tu oublies des espaces. Ou tu oublies des petites parenthèses. Qu'est-ce qu'il a, ce machin de merde, là? On venait du haut, je crois. Je sais plus. Non, on est du haut ou on est du bas? Du haut. Et là, faut-il prendre à droite? Enfin, je prends à droite. Salut, Zachary. Ouais, ça faisait longtemps, Zachary. Comment tu vas? C'est qui, la Watt? C'est Watt? C'est Giflo d'un.4. Giflo d'un.4. C'est le petit Flo, Pascal. Oula, doucement. T'énerves pas. Ça va se passer. C'est qui qui a tapé le micro? C'est moi, j'ai bougé le bureau. Putain. Y'a qui sur le bureau pour que tu bouges comme ça? Oh, personne. On va aller poser le chargeur, ce qui me manque. Ouais, on a passé, avec Cédric, on a passé 3 heures de temps, je crois, pour les cultures. Oui. Bah, c'est à force de le faire qu'il arrive, mais... Ah, le truc, c'est que la map, elle démarrait plus, et on trouvait pas pourquoi. Et en fait, c'est parce que j'avais oublié un petit... tu sais, les petites parenthèses, la con, en XML. Du coup, bah, ça démarrait pas. Pourquoi tu tournes? Oui, monte ta ferme. Avec un s'il te plaît, Zachary, ça serait peut-être un peu mieux. Merci. J'ai chier mon joystick qui est dans le cul. S'il te plaît, voilà, je vais la montrer, ma ferme. En plus, je peux la montrer plus en détail maintenant. Alors, la ferme. J'ai laissé la ferme de base, j'ai juste refait 2-3 petits trucs. On a le bâtiment là, là il y a la cuve à gasoil, petit bâtiment. Ici il y a les poupoules. Bâtiment normal. Le bâtiment vache laitière qui est là. Bâtiment. Et moi j'ai rajouté celui-ci et celui-là. Et le silo dans silage, parce qu'il y a une femme vache et il n'y avait pas de silo dans silage. Donc ça me faisait chier clairement. Un critère dans le derrière. Map de co en jouant en DL. Oh, rien à foutre, Michel. Franchement là, vous allez galérer. Je vous le dis clairement. Vous allez galérer. Tous les buissons qui sont dans les champs sont en collision. Donc celui qui adore les collisions, il va aimer. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regretter. Et puis, je peux vous le dire clairement, elle a tellement été annoncée en DL, cette map, que je m'en demande vraiment si elle sortira un jour. Voilà. Ça va être quelle... Après, il y a plein de maps en whip sur King Mode. Quand elles vont sortir, elles vont être, ça va être magnifique. Franchement. Moi, j'attends la limousine. La limousine, mais elle est déjà sortie, la limousine, qu'est-ce que tu racontes? Ah bon? La V72 est sortie? Ah non. La V72, c'est la version console que Tintin il attend. D'accord. Elle est en cours de création, t'inquiète pas. Bon, ça, dis pas. Je pense. On va venir nous la réclamer après. Mais je pense qu'il sera en retraite avant qu'elle sorte. Il y a la map hashtag balègue qui va arriver aussi. Là on vit. Ouais, là on vit. On ville, on est d'accord, c'est par chez vous? Non. Non, on ville, c'est pas vers chez vous. Attends, bah je crois pas.
C'est la plaine, hein, c'est plutôt la Beauce, la Somme, un truc comme ça. Ouais, qu'on Honville. Tu sais, celle de en Allemagne. Ouais, il y a celle de My Seven aussi qui va arriver, ça c'est vrai, ça les gars. Honville est un village commun belge de Fauvillers situé en région wallonne de la province de Luxembourg. D'accord, c'est en Belgique les gars. Excusez-moi. Ah, je confonds peut-être avec Honfleur. Ah oui, Honfleur, c'est chez nous. J'ai vu beaucoup de panneaux Honfleur quand on était en Normandie avec le boulot. Ouais, Honville, elle est belle, Clem. Bonjour. Bonjour, monsieur Fredo, comment il va? Bonjour, enchanté, qui êtes-vous? Ça va. C'est celle de la Picardie plus ou moins. Celle de la Picardie plus ou moins. La Picardie, tu parles de laquelle, Michel? Pas celle de My Seven aussi, papy. Oh, My Seven, elle va être magnifique. Ouais, mais je pense qu'on attend trop. Moi, ce qui me fait rêver, c'est les 3D de bâtiments. Oui, voilà, c'est tout. Passez un bon week-end, monsieur Fredo. Ouais. On va dire ça. Oh putain. On va dire ça. Ok. Disons qu'il a bien commencé, et puis j'ai appris un décès hier. Oh, ouais, ben, ça, c'est moins grave. Ah, moi aussi. Mais c'est moins grave, je pense. Bah, disons que c'est. Pour moi. C'est le beau-père de mon pote, en fait. C'est. Ouais. Bah le. On va dire c'est. Ouais. C'est une connaissance. C'est le grand-père de mon filleul. D'accord. Ouais, ouais. Disons que c'est un gars avec qui j'ai bu des apéros, on a fait des sorties, on a fait des bringues. On a bu des apéros. Voilà. Avec qui t'as pas bu d'apéro? Bonjour tous les gens, c'est quoi la map? Tu montes ta ferme, tu joues sur Game Boy, pourquoi tu fais pas de la paille? Bonjour monsieur Matt. Salut Matt. Ah, elle va sortir sur 3615 ULA. Pas de manque de boue, je trouve. Non, quand il pleut, il y a de la boue dessus. Salut Jérémy, comment tu vas? Ah, il y a de la boue dessus, je crois. Ah non, pas sur celle-là. Oui, papy, t'auras le droit de rajouter de la boue, il y a le mode dessus. T'auras le droit dans les chemins, t'auras le droit de prendre une benne et de mettre de la boue partout. Ça va très bien, Matt. Le live a mal commencé, mais sinon ça va. Ah bon, il a mal commencé? Ouais. Ah oui, t'avais des problèmes de. Ouais. Tu laguais. Hein. Laguais à mort, j'ai failli tout envoyer chier. Salut, hey, Swiss Jim. Swiss Jim. Swiss Jim. Comment, s'il te plaît. T'as fait une fauche chez ton herbe, Flo? Zachary, encore une fois, oui. Tu dégages. Tu vas pas recommencer comme avant. Hop, message supprimé. Pourquoi je peux pas les supprimer, les messages, moi? Je peux pas les supprimer. Quand t'as les droits, mon gros. Attends, j'essaie un truc. Ah si, ça marche. GG Flo. Bon bah voilà. Ouais, Zachary, à chaque fois qu'il vient, faut qu'il foute le bordel. Pour la map Picardie, je vais finir les trois trucs et pas. Parenthèse. Vas-y Zachary, les modos sont en forme, ils ont la dalle. Vas-y, amuse-toi. D'accord Jérémy. Parenthèse. Je connais pas au moins. Ça marche. Giflo, on se fait un petit ping-pong? Ah non, papy, il en a remis 300 aussi. Bonjour Peur, bonjour Romain. Salut, on arrive quand il faut. Salut vieux schnock. Arrête, il va arriver en vocal, arrête de lui dire vieux schnock. Oh oui, vas-y, viens te la mettre en vocal. Allez, t'as il en a remis une couche. Eh, ça tu fais. Et Fredo, tu fais le retour? Ouais. Oh. J'en ai qu'à l'écran, tiens. Attends, je fais le service. C'est toi qui reçois. Allez. Je filoche la bonne journée. Ça marche, mon être, à bientôt. Les modos sont chauds. Ah, les modos, ils ont la dalle en ce moment. Ils ont plus grand chose à se mettre sous la dent. Alors, dès qu'il y en a un. Rabio, calme-toi, Rabio. Calme-toi. Non, c'est giflotte. La viande fraîche. La viande fraîche, miam, miam. Vas-y, ramène ta gueule, vas-y, ramène ta gueule. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite presse carrée aussi avec une? Non, presse ronde. Ouais, c'est pour la ferme, la presse ronde. Ah ouais. Bah si t'as une presse ronde, ça sert à rien, presse carrée. Pose dessus comme tu veux, mais pour le moment, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Une ancileuse aussi, ce serait pas mal avec une. C'est bien le chien. Ah, comme Flo, si vous saviez tous les talents d'imitateur qu'il a.
peux nous imiter la Coffee Freddy, Flo? Merci Tetrabounty, à bientôt. Merci de ton passage et ton pouce. Salut Tetrabounty. J'espère qu'on t'a pas fait trop peur. Ouais, on est pas chaud encore là. C'est que le début. Ouais, j'ai passé mon temps à bricoler aussi. J'ai pris mon fil samedi. Et t'en es où dans ton... Alors, j'ai le collègue, il m'a fait les pieds. Ouais. Je lui ai filé 4 morceaux de 15 cm de chevron et il les a sortis, il m'a fait les pieds. Impeccable. Les pieds sont quasiment traités. Là, ils ont trempé dans le xylophène, ils ont trempé dans l'huile et puis... ça fera un escargot tout chaud. Tout chaud. Je la mets dans ma culotte. La gueule de l'escargot, quoi. Et puis là, ce matin, j'étais en train de travailler sur mes plateaux, mes nouveaux plateaux. Et donc, Mon comptable vient d'arriver. Ah, j'aime. Bon courage, Laurent. Hein. Quand le comptable arrive, c'est jamais une bonne fin de journée. Bon courage, Laurent. Bon courage. C'est la prière. C'est la prière avant. Et puis, logiquement, cet après-midi, je dois repenser le premier plateau, l'autre côté du premier plateau. J'espère avant mercredi avoir fait les deux plateaux et puis pouvoir les poser et les faire à la forme demandée. D'accord. De manière, il me reste plus beaucoup de temps parce que il faut que ça soit prêt pour la semaine prochaine. Ça marche. J'ai encore un peu de taf. Un petit peu. Les traitements. Mais non. Quand mon collègue il a vu pourquoi c'était fait, il m'a dit ah ouais d'accord. Ce qui serait beau, c'est de faire de garder le touret comme ça. Ouais. Des rehausses et tu fais un. Ouais. Le dessus tu le mets en résine puis tu mets des objets en dessous de la résine. C'est en réflexion. C'est cher, le problème de la résine c'est qu'elle est chère. C'est devenu très cher. Mmh. Ouais, c'est devenu très cher. L'objectif, ça serait de travailler le bois, donc garder le plateau, comme tu dis, David, on va dire brut, et de tourner des pièces en bois, de les coller dessus, et puis de couler une résine par-dessus. Mmh. Et mettre une plaque de verre, tu sais, donc en plus. Tu mets quelques LED dedans, impeccable. C'est ça. Le frangin l'a fait, lui, avec un touré en bois, il a supprimé... il a découpé le plateau principal du touré et il a mis une jante de BM dedans et il a pour objectif de mettre des LED aussi dedans. Ah, franchement beau, s'il a mis franchement une belle jante. Moi j'aurais aimé faire ça, mettre une jante de Formule 1. Une jante de Formule 1. Comment ils vont bien? Je vais bien Romain, j'ai un gros problème de stream parce qu'au début j'ai lagué à mort. Tu veux jouer sur la map, je peux te dire ce que c'est. Supprimer tous les arbres au nord. T'as fait quoi avec le mode bûcheron David? Non, sur géant. D'accord, parce que du coup moi j'ai quand t'étais en train de te faire. Salut Quad. Quand t'étais en train de faire le bordel. J'ai la pêche. T'as quoi? J'ai la voisine qui m'a appelé, il y a des soucis. Non, en fait j'étais sur géant editor et j'ai supprimé tous les arbres du fond de map. Mmh. Et c'était dû à ça. Je vous laisse les copains. Ça marche NMS, bon courage. Oula. Donc là, ce qu'on va faire... merci. Méric, merci. Comment il va, mon petit quad-quad? Moi, j'ai la patate, j'ai la fraise, j'ai la pêche, j'ai tout ce que tu veux. Je sais plus ce que je voulais faire. Qu'est-ce qui pourrait manquer, qu'on pourrait acheter à la Cuma? Un grand plateau? Ouais, un grand plateau, ouais. Mais j'en ai pas mis sur le serveur des grands plateaux, c'est ça le problème. Non mais je sais pas, après, c'est... Faut non, non, mais si, je peux noter, puis je rajouterai plus tard. JB, salut, JBD, hack, le fermier du 51, comment tu vas? Merci pour le pouce. Qui voilà? Ah, mais c'est monsieur Romain G. Salut les gens. Hey, salut mon petit chou, comment ça va? Je repars. la ramasseuse à cailloux.
Comment qu'il va le genou? Non mais si tu t'en vas, fais pas semblant. Salopard. Non mais oh. Ah le salaud. T'as vu Romain comment t'es reçu? Ouais, non mais je vois ça quoi. Le jour où vous arrêtez... Eh, franchement, je vais m'inquiéter le jour où... Le jour où on va se dire bonjour correctement, il va nous demander si on est malade. Je vais lui dire, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc c'est bien les arbres en fond de map dans le nord qui font la merde. Je l'ai téléchargé, mais j'ai toujours... J'ai téléchargé la mise à jour, mais ça n'a pas été plus loin. Ouais, ils ont déjà sorti les modes. Non. J'ai pas joué du week-end, donc... Si, ils ont déjà sorti les modes. Ah. T'es sérieux? Ah, c'est le mode up, ouais. On est là, bah, en tout cas, par contre, la campagne des Carpathians, là, je suis déçu. Hein. Ah oui? Bah, entre les photos et la réalité, voilà, quoi. Bref. Je vous laisse aller voir par vous-même. Non, tu commences une... Ouais, je commence une nouvelle série, quoi de quoi, dans le parallèle de la limousine. Parce que le problème de la limousine, c'est que ça devenait redondant pour vous et pour nous. Et disons que Flo a énormément de boulot en ce moment. Pas du tout. Papy, le côté vie privée, il va être absent entre 1 et 2 mois. J'allais me retrouver tout seul la journée sur les séries, donc c'est compliqué de vous proposer tout le temps du nouveau contenu qu'on avance sur les séries. En jouant sur 2, je peux tourner largement plus. Et j'avais envie de faire une série un peu plus RP. Pas complet, mais moins cheaté. Moins cheaté, même. RP roleplay ou RP rien à péter de fois. Non mais c'est surtout que j'avais envie de jouer avec le manuel attaching depuis le temps. Ah le manuel attaching. Ah du coup je suis interdit à la série. Il y aurait eu par exemple le mode pour attacher les tuyaux, bah je l'aurais mis aussi. Ah non ça c'est nul. Ah bonjour Zachary. Ah, je crois qu'il a pris la foudre quand je suis arrivé. Oui, bah, il a mis deux fois. Est-ce que tu sais quand tu fais du blé? Comment on fait du maïs? Ta gueule, non, c'est lui qui a commencé en plus à l'époque. Ouais, oh, Zachary. Bah, quand une fois tu fais semaine, du coton, David. Quand est-ce que je fais du coton? Tiens, d'ailleurs, je sais pas s'il a corrigé le problème, hein, mais moi j'ai testé la première version. Tu ne peux pas vendre les bottes de coton. Hein. Oui, bah c'est normal, il les a enlevées. Dans la map, elles n'existent plus, elles sont plus scriptées. Il a mis des parenthèses, tu peux plus le faire. Ouais, mais alors par contre, il y a encore les missions. Ah, c'est ça le problème. Bah, sur la première version, sur la deuxième, je sais pas. Est-ce que tu as testé la mode des animaux améliorés? Eh ben, il est dessus, il est sur la série là, Quad. Il est justement, les animaux, ils vont pouvoir vieillir et crever. Il est sur la série là. Non, il meurt, il crève pas. Désolé. Et après, ils vont au paradis, ils vont rejoindre la maman Bardot, Bambi. Ouais. Ça mais au moins, Bardot, qui est là, il t'a dit non, il crève pas, il meurt. Ils vont voir Johnny. Johnny, ah que coucou. L'autre par semaine, un live sur limousine et un live sur un endroit. C'est ça, et j'aimerais bien que les abonnés me mettent les cartes de chance et les cartes malchance sur le Discord, les amis. Ainsi que les membres de la team, les amis de YouTube. Il y a un onglet qui est fait pour ça. Nous aussi, on est... Ah, mais je suis pas ami, je m'en fous. Tu sais que j'ai un gros problème avec Discord en ce moment. Ah bon? C'est pas ton problème avec Discord? J'y vais pas. Ah, tu pourrais répondre au message que je t'envoie, mais... c'est possible, j'ai 4 messages alors. Et Michel, non, pour comment va Michel derrière? Salut Michel. Ça faisait longtemps. Et toi, j'ai pas assez la dalle pour courir à droite à gauche, donc Discord, j'ai un peu abandonné tout le monde. Ouais, et voilà. Qu'est-ce que t'as vu ce que je t'ai envoyé hier soir, David? C'est magnifique. Hein ouais, j'en parlerai pas plus là, mais oui, on verra. Ah ouais, j'étais pas prêt. Hein. Bon, moi non plus, quand tu me l'envoyais, j'étais pas prêt. Est-ce qu'on mettrait pas une plus grosse remorque à l'Akuma aussi, Flo? Tu as vu que c'est un bon mode. Je sais pas, mais je joue pas à l'Akuma. T'as vu que c'est... Bah, j'ai cru que t'étais interdit. Ouais, il est pas mal, quoi, toi. Maintenant, je suis interdit de la partie, donc. Mais non, il est pas interdit. Je me dis qu'il est. Si. Pas bon, pourquoi? Et elle m'a dit un attaching. Non, mais c'est pas de ma faute si tu l'aimes pas. Tout de suite. Là de la place, là de la place. On va la mettre en rouge. Et on va... Mais je suis en train d'acheter avec mon compte, là, en fait. Putain, mais l'abruti, j'ai acheté avec le compte, là. Pas grave, tu te... Vas-y, NDG, de toute façon, il est riche, de toute façon. Romain, va bien, tu vas acheter une benne ou quoi? Ouais, pour la ferme principale, mais pas pour le reste. Putain, le compte... Ça va pas mal, je suis un peu cassé de partout parce que j'avais kiné ce matin, mais ça va.
Ah, j'adore mon JD là, charge le foin là. Un peu comme. Ouais, c'était ma dernière séance. Non, c'était ma dernière séance. C'est pas ah, c'est fini, ça y est. Bah, pour le moment, ouais. D'accord. Bon, bah, celle-là, on va la bah, en même temps, ça fait 6 mois que je me suis fait opérer, donc ça peut-être temps que donc ça là, s'arrête. Pour racheter, il faut que j'aille dans la cuma, je me suis trompé de ferme, putain. Mais en cas de problème, elle te revoit sans. Oh, faut que je repasse par mon médecin traitant. Ah ouais. Faut que je rejette dans la cuma de Bonneval. T'aurais dû marquer une bonne. T'as dit quoi? T'aurais dû marquer de bonne femme ou tu aurais été plus souvent? Non, non, il aurait passé son temps là-bas. Justement, il aurait été plus souvent. il est 15h30, on est d'accord? C'est ça. Oui. 29 exactement. Je bosse sur mon partie personnelle. Tu es sur quelle map, Michel? Comment il va, Jean? On ne peut pas demander comment t'es là. 99% des gens sur The Valley, je parle. Ah mais j'ai regardé YouTube un peu ce week-end, il y a que The Valley partout. Il ouais, y a que The Valley partout, effectivement. On va acheter une plus grosse benne, du coup, pour la Cuma. Après, on va voir combien on verse tous les mois à la Cuma. Bah, c'est à l'année, mais oui. Ah, c'est à l'année. Après, tu peux t'arranger, mais bah, c'est en fonction de ce que tu te sers, quoi. Ouais, ok. Bah, on va regarder. Tu payes un forfait pour regarder. Chaque course. Ah non, loupé, merde, All Stream. On avait le bon mapper, ça te dit à ça. C'est le mapper, oui. Et sur The All Stream ou The Valley The All Stream, ouais, ça fait... Tiens, ce maramaïs, tu pourrais mettre la Cuma. J'en ai un. Ah ouais. T'as vu, il y avait un mur, là, David. Non. Ah, j'ai pas vu, c'est pour ça. Ah, il faut que j'habitue, parce que depuis que j'ai rechangé le setup, et le chat il est à droite et j'ai pas forcément l'habitude. Ah, mais ça... Doucement, mais ça marche, mes chefs. On va acheter une grosse benne, je pense qu'on va. Et après, on va s'occuper de notre ferme en mettant le prêt. Parce que j'ai le système de prêt aussi sur la partie. Là. T'as le système de prêt, c'est quoi ça? Bah, je te montre. Hein? Bah, c'est un mode qui est sorti. En fait, au lieu que ça te prélève à chaque jour que ça passe, avant c'était chaque jour, il te prélevait. Là, c'est vraiment par mois qui est passé quand tu es en mode saison. D'accord. Et, c'est des un taux d'intérêt actuel, il est à 3 à 5. Et en fait, le taux d'intérêt, il change en fonction du moment. Et tu ne peux pas emprunter plus d'un certain montant en fonction de ta ferme, tes véhicules et tout. D'accord. Et il te rembourse automatiquement, non? Bah oui, ça rembourse automatiquement. Hein. Ça rembourse, ouais, ça rembourse. C'est après, tu payes des frais et basta. Là, ça rembourse. D'accord. Enfin, tu peux rembourser en avant. Voilà le papito. À mon avis, là. Salut Romain. Salut papi. Salut Fredo aussi. Oui, désolé. Pas de souci. Ah, ma machine, elle est bloquée à 99%, ma synchro. Ah bon? Il doit y avoir un souci, ouais. Ah bah cherche pas, c'est un des modes que j'ai qui fait la merde. Attends, je réessaye. Ça va, désolé, ça va te refaire une... Une synchro, mais pas grave. Une synchro. Et tu mettrais un gros tracteur à la Cuma aussi, non? Ouais, c'est ce que je vais faire. Flo, vu ce qu'il y a comme mode, t'étais pas obligé de nous dire qu'ils avaient sorti les modes. Hein. Je suis la map The Offstream Farm des contrats pour récupérer des peuples. D'accord. Un forfait prestation à la Cuma dès que tu utilises un outil. Ça marche. La All Stream, The Valley, laisse tomber. Hein. On a fait une mission dans Rubané l'autre jour avec mon fils, on a pleuré. Hein. Un champ, 49 bottes à ramasser. Ah, j'aime bien ça, mais il y a un moment, ça va bien 5 minutes. Le grain. Putain, par contre, elle est cheatée, la benne de la place, là. 80 mètres cubes. SSS. Ce serait pas le pack de papy que j'aurais par hasard. Non, c'est la benne que t'as modifiée, tu te rappelles pas, non mais... Non, c'est mis à zéro de trop, non? Ouais. Tatin, je t'emmerde. Non, c'était pas celle-là. On va pas prendre celle-là. C'était la Girax, non? Non, c'était la de la place qu'il avait modifiée sans ridelle. C'est ça. Il avait laissé... Ouais, non, mais je m'en rappelle. Ouais, mais c'est pas celle-là. C'était pas celle-là, c'était la nouvelle série. C'était sur le... Ouais, sur ta partie, là. Ouais, j'ai pris des modes sur un peu toutes nos parties, et j'avais oublié que sur celle de papier. C'était pas celle-là, la de la place, c'était la Lambert, ou je sais pas quoi. De toute façon, celle-là... Non, mais il y avait la de la place aussi, ce mois, je l'ai. En 80 000, mais la de 800 000, c'est la Lambert. Ouais, là, oui, c'est la Lambert, oui. Ouais.
Capacité, là on est en riddle, riddle en silage, riddle de choses. Je suis dans le truc de recherche pour les serveurs, là, il y a une team, c'est écrit team ambulance. Il y a pas le U d'ambulance, il y a team ambulance. Ambulance. Ah oui, ambulance. Ambulance. Pour ceux qui je rigole depuis tout à l'heure. Ambulance, c'est quoi ambulance? Putain. On va faire ça et y on va. Il a besoin de U. Ambulance. Et en tracteur moyen, on pourrait. Je sais même pas ce que j'ai mis en mode en tracteur moyen. Bah, je vois plus le serveur là maintenant. Oh, punaise. Putain, j'ai pas de. C'est que des modes d'origine. J'avais pas. Il joue avec la balle. Ah là, c'est bon. Ah, attention. À mon avis, c'est un mode qui fait chier. Je sais pas lequel. Faudrait que je trouve. Bah, c'est bizarre. Surtout, t'arrives à rejoindre, puis pas moi. Oui, mais c'est parce que c'est ma partie. Et je suis en hébergé, là, papy. Ah oui. Ah oui, parce que j'arrivais pas à accéder au serveur. Parce que t'es bien, ouais, tu veux me rejoindre moi sur ma partie, ouais, c'est ma partie. Ah, toi aussi, t'as un problème de serveur. Là, j'ai une synchro. Ouais, j'ai une problème de serveur. J'ai portal, j'ai pas réussi à, si, à aller sur la crewform. Moi, j'arrive pas. Ah, t'as 99 fois aussi sur la crewform. La crewform. Ah non, moi c'est encore pire. Je me connecte, j'allume le serveur et tout, et je peux pas, je trouve pas le serveur sur, sur le. Le traiteur jeu. Moyen. J'ai pas mis grand chose. C'est ça le problème sur le serveur. J'ai rien mis même. Mais on va prendre le class en 870. On va le mettre en Michelin, de large plus masse. T'es encore bloqué, papy? Ouais, ça reste bloqué à 90. Ouais, j'ai un mode qui fait chier, faut que je trouve c'est lequel. Je ferai ça quand ce soir. Tant pis, oui. Comme à la bonne époque, ça te rappelle pas quelque chose, Flo? Ça a coupé, tu disais. Tu sais, un certain serveur qu'on a fait pendant oui, ce premier jour. Trois fois de suite, voire quatre fois. C'est ça. Mais c'est pas grave, on fait ça avec plaisir. Oui, merci encore aux 22 personnes et aux 39 pouces. Oh, faut pas. En fait, si le serveur, j'arrive à. Enfin, je le mets en route et du moment que je vais le mettre en route, bah t'arrives à 99% puis ça tourne dans le vide, Romain. Alors que hier soir, non. On peut y aller. C'est ça le truc, c'est qu'hier soir, avec Cédric, on a réussi à rejoindre le serveur. Alors, est-ce que c'est pas le portail qui déconne? Alors que moi, je le vois pas du tout. Bon, c'est pas grave, j'ai fait autre chose. Parce que, est-ce que ce serait pas un problème de chez Gportal, du coup? Ouais, quand tu vas, tu sais, quand tu vas voir les s'il y a des problèmes ou pas, il y a rien d'affiché, donc... Non mais je vais les remettre un par un les modes. De toute façon c'est pas dur, je vais démarrer la partie avec les modes. Bon, je vais désactiver tous les modes sauf la map et puis on va bien voir. Hein. Pas grave, je streamerai pour ma partie perso. Au pire si je trouve. T'as remis des modes derrière la main dessus Romain? Non. C'est non. Pire. Ou alors on a peut-être un mode qui est pas à jour et qui fout le bordel, on va savoir. Il y a un moment que j'y ai pas été donc. Bah si, parce que depuis la mise à jour, j'y suis retourné, j'avais fait toutes les matchs des modes. Donc, oh putain, il y a un paquet de chance là, la vache. Est Kroningen. Ouais, 190, je crois que j'ai lu ça, non, c'est pas ça. 163 Field, c'est mis. Ah oui, 163, c'est ça. Bah tu sais, celle-là, elle en est à... on est à 105 hein, sur la map. Merci quoi d'être passé, gros bisous à toi, à bientôt. T'as eu le paquet de modes qu'il faut rajouter pour ouais, par contre, mode requis avec waouh. Il faut que je range mon bazar à ma ferme. Ça marche, Michel. Désolé, j'ai pas vu. J'ai testé. 14 bols de blé. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais c'est des bols de combien pour tu. Mettre la bénisse. 13 modes en Riverview Farm. Une mise à jour encore. Ah, on a joué dessus pourtant sur celle-là. Merci beaucoup. Bah, sur Riverview, ouais. Ah, tu sais que Riverview et Maple, ça doit être les maps qui ont le plus de mises à jour. On a fait un paquet d'heures dessus. Bonjour Manon, comment tu vas? Salut Manon. Riverview, on en avait mis une paire dans la gueule. Ouais, salut Manon. Ah, il y a encore une mise à jour. Le serveur, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller 10 par 10, puis je vais finir par trouver. Hein. Oh, finaise! Ça va, en vacances, et vous, ça va? Bah, ouais, ça va, on est en live, donc c'est que tout va bien. J'avais racheté autre chose, j'avais racheté une benne, et j'ai dit que je voulais acheter quoi? Une benne? Un tracteur? Tracteur, bah ça fait, moi, tout ce qu'il faut pour la cuma, je pense.
Au pire, le Kumal se rachètera du matos à un moment donné. Manque plus que le joueur. L'arracheuse à betterave. J'ai pas besoin l'arracheuse de faire à patate. J'ai pas besoin de faire de betterave ni de patate. Les cochons, ils en mangent pas sur ma ferme. L'ensileuse. Ah oui, l'ensileuse. L'ensileuse, faut que j'en trouve une en mode. Il les nourrit avec les cailloux, les cochons. Non, ils ont plus de. C'est des fibres alimentaires qu'ils ont à la place des patates et des betteraves. Il n'est plus un joueur qui a joué. D'accord, Michel. Alors, du coup, je vais repasser dans ma ferme, là. Ma ferme. Il y a Mika qui dit la ramasseuse à cailloux. La ramasseuse à cailloux. Ah oui, oui. Non, je l'ai vendu parce que j'avais pas avec la bonne ferme. La charrue. Le déchaumeur. Ah non, c'est dans la... pas besoin, c'est pour nourrir les cochons. Je vois pas, je la remettrai tout à l'heure, la ramasseuse à cailloux. Là, je suis passé dans ma ferme. Je sais plus ce que j'avais dit. Ah, il faut que je rachète une masse pour le fan. Ou j'en avais une pour le fan. J'ai plus. Les masses. Ah, si j'ai la fente, le machin, faut que je ramène une troisième pour l'autre tracteur. Hop. Et après, on va faire le prêt. Tac, on va racheter celle-là. Avec ça, ça fait stylé. Ouais, salut Laurent, comment tu vas? Il y a une nouvelle version de la Chrono. La Big Pug Cargo aussi qui est sortie. Sur GameS Mode. Qu'est-ce qu'elle a de plus la version là? Je sais pas, apparemment il a ajouté des vérins en plus. Ouais. Vérins de direction hydraulique ajouté, réservoir silage additif ajouté. Petite correction, le tuyau ne peut plus plier la machine, la fin de champ de l'assistante tourne plus en douceur, enfin ouais, ça je comprends pas trop mais. Okay. Alors, il faut que je regarde dans mes champs qu'est-ce qu'on a, parce que j'ai acheté des champs, je sais même pas ce qu'on a dessus. Ah non, faut faire le système du prêt avant. Et salut monsieur Jean, comment il va? Salut Céd. Salut Romain. Ah, justement de la hauteur de la cabine et de la position de Jean, des roues. De il remplit les trous de balles celui-là. Oh, ah, c'est ce que t'as dit. Il me fatigue déjà, lui, ça y est. Alors, là, on a du matos pour je sais pas combien. Pas envie de calculer. La ferme, déjà d'origine, vaut. Dans le jeu, elle vaut 254 000. 100 000, 100 000, 91 000, 186 000, 177 000. Ok. Voilà, déjà pour bonnement 500 000 de terrain. Vu l'heure, il se lève de la sieste. Oh. Tu fais un prix de 100 000 au pire. 500 000, t'as dit, Flo? 8. 800 000. 8, 800 000. Ça, vu le matos que t'as, YL, c'est ouais, 700, 800 000. Hein. Ouais, bah écoute, je te suis. Hein. Après, si c'est trop dur. Non. Alors, là, vous faites prendre un prêt. Ouais, là, c'est le problème, c'est qu'il a été mis en français, mais le mec, ils l'ont un peu cheaté parce que je peux emprunter plus d'un million à cette heure-ci. Ah, c'est un gars, il s'appelle Papy, le gars, non? Je sais pas. Le banquier, il est gentil avec toi, là. Donc, du coup, là, vous pouvez fixer donc, le montant. Donc, on va mettre un montant à 800 000. Donc, 800, 1800, enfin, 1800 000. Ça fait quoi, banquier, pour qu'il soit aussi gentil, David? Je ne sais pas. Alors, par contre, sur combien d'années on va rajouter? Si je mets sur 20, si je mets sur 20 ans, je veux pas savoir. Si je mets sur 20 ans, on a 4691 mensuels. Si tu mets sur 25 ans, on est... Ouh, 4000 encore. Je vais quand même pas prendre ça sur 30 ans, mon dieu. Bah, 800 000, c'est 35... C'est une carrière, normalement, mais... Bon, bah, on va mettre sur... Alors, je sais pas ce qui pourrait être réaliste. Avec un peu de challenge sur 25 ans. Si. 25 ans, ça peut être faisable. Non, je sais pas. Hein. Si, ça peut être faisable. Non, le challenge, c'est sur 17 ans et demi. Donc là, voilà. Hop, vous avez un prêt ici. Et après, tu fais rachat spécial quand tu veux le rembourser. Donc, il me reste 300 mois pour rembourser. Bon, il nous reste 300 mois de prélèvement. On a un taux d'intérêt à 3,5. Et c'est pour ça qu'on a une mensualité aussi. Donc, voilà. Maintenant, il faut qu'on s'enlève un peu de sous. 968 000. Je pense que je vais m'enlever un petit 915 000. Qu'est-ce qu'il va me rester? Et non, pas ajouter. Oh putain. Bah oula, ça va, Flo? Je rigole.
Ah, c'était un rire, ça. Il nous reste 53 000 balles. 53 000 balles pour commencer, je trouve que c'est pas mal. Il y avait une canne, non ? On est pas mal. Donc, on a le système de prêt qui est en route, on a les véhicules, Attends. On a la Kuma. Oui. Fasse une canne pour Romain. Hein ? Faut que tu fasses une canne pour Romain. Ouais. Tu peux faire ça, s'il te plaît ? Bah, faudra qu'il patiente un petit peu, parce que tout ce que j'ai à faire... Oui, oh, il est plus à 3 mois près. Dans le champ 1, c'est quoi ? Bah, c'est du trèfle dans le champ 1. On va déjà pouvoir en faire pour nos amis les vaches. Fais chier, du coup, si je prends ta version, je suis obligé de recommencer à zéro ma partie. Si tu veux la version avec les nouvelles cultures ? Ouais. Plus l'animal food modifié ? Allez. Putain ! Je me fais chier à entasser mes bottes de foin pour rien. Ça, c'est récolté. Le 55. On a du lin, mais est-ce que le lin s'est récolté ? Bah, c'est récolté. Tu veux quel bois, Romain, pour ta canne ? Du peuplier, c'est plus souple. 38, on a de l'avoine et on avait le soupçon. Non, prends des ronces, comme ça, quand je suis foutré dans le cul, tu les sentiras passer. Oh, oui, 25, on va, j'espère. Salut Kéké, comment tu vas ? T'es Kéké. Alors, comment tu fais pour enlever ? Parce qu'il est parti. C'est Fredo. C'est Romain qui a dû le faire capoute. Romain, j'ai rien à voir dans l'histoire, juste pour information. J'ai un petit tour, Michel. Planton, Michel. Bonjour, ça va bientôt. Ça va bien. Alors, tu t'en es sorti sur ce que tu m'as demandé, Kéké ? Et on a un champ de patates, j'espère qu'il est récolté, qu'il n'est pas bon à faire. Maintenant, on va le labourer, celui-là. Donc, du coup, est-ce qu'on n'irait pas faucher un peu ? On fauche ou on va les moissonner avec notre belle JD ? Ouais. Il a pris du JD. De rien qui... Oui, j'ai pris une moissonneuse JD. C'est celle qu'on voulait par moment. Ouais, tu m'as dit. Ouais. Du coup, les abonnés, on voulait la palace. Ouais, la palace, c'est le prix d'abonnés. Elle palace. Palace. D'ailleurs, il y en a une autre qui est ressortie. Une plus petite encore. Ouais, vendredi, je crois que j'ai vu ça. Une plus grande. Samedi, je sais plus sur King Mode. Ça se voit que j'ai pas été là pendant un temps, bordel. J'ai pas été là. Bordel. Au niveau des modes et tout, je regarde même pas. On va accueillir la BBL. Et j'ai pas remis le DLC précision. Putain de merde. T'as mis le procide ? Quoi ? Le procide ? Faire. Non, je sais pas. Non, je sais pas, je croyais que tu non, voulais jouer. Non, j'arrive pas à jouer avec. Je voulais, mais ouais. J'arrive pas encore. Oh, ça va être compliqué à mettre sur 5 hauteurs. Allez, c'est parti. On va au champ. On a prévu, les gars, d'aller au champ. Numéro 38. Alors, pour aller au 38... Al JD, il lève pas assez haut. Ah, je suis obligé de mettre sur 4. Non, il part là. Tant pis. Hey. Après, sur Giant Editor, ça coûte pas cher, Michel. Est-ce que je vais remettre la circulation, moi ? Est-ce que je l'avais enlevé parce qu'elle m'a gonflé tout à l'heure avant que le PC passe par la fenêtre ? Bah, je dis, s'il passe par la fenêtre, tu m'appelles, je me mets de l'autre côté de la fenêtre. Ouais, mais toi, ça marche moins bien, t'es au rez-de-chaussée, toi. Moi ? Non, David. Ouais. Ouais. Ah, mais ouais. Justement, vos... Moi, je te balance pas 3 000 € par la fenêtre. C'est un peu t'es un fou, toi. C'est où les putains de véhicules ? Ah, trafic routier. Oui, hop là. Voilà. Ils finissent de, buter. Buter qui c'est qui est buté ? Ils sont les patates. Oui, je suis pas vous, vous avez de la chance parce que du côté de Bourbourg, Clem, il y a un reportage qui est passé sur YouTube ou sur TF1 où ils galèrent à planter les patates. Oui, c'est trop bleu à certains endroits en France. Bah, dans le Nord, ils sont gorgés de potes. Hein. En Normandie, je sais pas ce que ça donne, mais dans le Nord, apparemment, ils sont gorgés de potes. Hein. En Normandie, bah. Merci, on a déjà presque le maïs alors. Les patates par chez moi, en tout cas, ils sont pas tous semés. Pas planté. Potate ? Les potates ? Dans mon jardin, ils sont plantés, si, mais... Ils ont pas été en tracteur dans le jardin. Hein ? Ils ont pas été en tracteur dans le jardin. En motoculteur. Merde, c'est le champ 37 qui est là, putain, on va te faire sodomiser.
Ah, tu étais presque, hein, 37, 38. Ah non, mais je pensais qu'il y a une petite avancée, il a prévu 38, ça aurait été haut, tu vois. Ah, il y a des clôtures. Ah, il y a des clôtures. Ah, j'adore cette map. Non, franchement, elle est belle. Moi, tu peux demander, t'es avec nous, hein, Flo. J'ai bandé quand j'étais joué dessus la première fois. Mais non, j'étais pas là. Non, j'étais pas là. Si, c'était le mercredi après-midi. T'étais pas avec nous mercredi dernier? Non, c'était moi qui étais avec vous, mais bon, hein. Mercredi après-midi. Alors, on va chercher par l'entrée du champ 38. Tu commences à me confondre avec Flo, ça va pas le faire, là, par contre. Oui, bah, Flo, toi, c'est pareil, hein. Dans non, pas tellement, non. T'as buté qui dans le jardin? Moi, je suis jeune. Ouais, Romain, il est jeune aussi. Hein. Oui, oui. Oh, il est jeune à distance. 50 ans, c'est rien. Hein. Mais j'ai pas 50 ans, on va te faire foutre, toi. Ah ouais. Moi aussi, j'ai 50 ans. Tiens, j'ai bien fait de venir, je trouve, aujourd'hui. Tiens. Oh putain, vous m'ordonnerez des idées comme ça. Ici, ça va, c'est pas la gadoue, c'est terre sec. D'accord, Clem. Nous, il pleuvait pas ce matin, mais là, ça pleut. Ouais, ça pleut. Ah oui, ça va, ça y va, ça y va. Si vous pouvez la garder, votre pluie, ce serait pas mal, les gars. Oh non, on arrive chez toi demain. Ouais, bah juste demain, parce qu'après, moi, je veux un beau week-end. Oh, attention, il pleut tout le week-end. Bah, ah, non, jeudi, non, c'est jeudi. Moi, ça va, Kéké. C'est RP, ce que tu fais là, gras. Je suis fatigué. Je sais bien que c'est un tracteur, mais c'est pas un Monster Truck non plus. Ici, c'est un Fendt. C'est tout avec un Fendt. Non, mais j'arrive pas à trouver l'entrée de champ, donc l'entrée de champ, elle va être là, puis c'est tout. L'entrée de ton champ là, à gauche là? Ouais, le 38, j'arrive pas à trouver, c'est où? Eh ben, elle est sur le long de la route, l'autre côté. Ouais. Peut-être loupé par là. Par là. Voilà. Normalement, elle est au milieu. Non? Là, on est au 40. Ben, il y a pas d'entrée de champ ici. Et là, c'est des barrières tout du long. Tout du long, 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 tout du long. 18 degrés ici, beau soleil, 18 degrés. Et là, patate, betterave, pratiquement planté. Le maïs, j'en ai pas eu. Ah, nous aussi, ils ont chié à planter le maïs. Hein. C'est labouré, mais. Ils ont rien planté encore. Nous, on a planté que 2 hectares sur 35. Oui, quand même. Ah, une bonne vieille bête. Une bonne vieille John Deere. C'est le champ 38, ça, tu disais? Par contre, j'ai un problème avec le chariot de barre de coupe. La barre, elle arrête pas de jarter. Donc, ça se peut que le chariot de barre de coupe, je change bientôt. Bah, déjà là, elle est à travers, là, non? Bah, ouais, elle arrête pas de jarter. Donc, le chariot de barre de coupe qui est fourni avec, mais. Elle gicle. En tout cas, du coup, t'as un truc qui gicle avec toi. C'est méchant. Si elle est là, non? Ça serait méchant, je dirais. Salut Théophile! Il dirait voir mon. Théophile. Tiens, regarde, elle va se casser la gueule toute seule, gars. Bientôt. Ah, bah, y'a rien. Alors, ça me rappelle un chariot de barre de coupe avec une case. Ouais, c'est ça. Ça te rappelle la fenêtre, on est parti. Ah, je t'ai déjà vu. T'es pas venu vendredi, Théophile? Elle va pas gagner le champ, ça, c'est carré net. On va voir, on va voir. Là, c'est venu avec le girofle. Non, pas vendredi, jeudi. Jeudi, ouais. Ouais. Merci pour le like, Théophile. GG pour les 43 likes. Merci beaucoup, pour les 27 personnes. Et un abonnement. Merci Théophile. GG. Je pense que je mettrai le chariot d'origine John Deere qui est avec parce que. Là. Voilà, elle est partie. La sacra, je t'avais dit qu'elle n'avait pas gagné le champ. Hein, parce que. Regarde. Je vais la reposer comme ça, puis après je vais la reprendre parce que j'étais trop loin. Et ça, c'est RP, ça? Oui, regarde. Y'a rien à péter. Ah non, mais. Rien à péter. Je la mets. On va repartir, on va retomber. Pourquoi tu l'as pas attelé devant directement? Croche la deux, tiens, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, ça passe pas dans la rue. Ça va aller plus vite, là. J'ai déjà essayé, ça passe pas à cause des arbres. Voilà, bah, tu les coupes. Ça en fera moins. T'en as déjà en viré tout à l'heure un peu plus. Si tu veux une map où t'es emmerdé par les arbres, j'en ai une à te conseiller. En fait, ça s'appelle Paycom, non, c'est ça? Non, même franchement, non. Il y en a une qui est sortie là. Bon, que tout le monde dit, alors, ce qui va se passer là, sérieusement? Tout le monde disait, t'as perdu un truc, David. Et dans la berne. Alors là, ce qui va se passer, sérieusement, c'est elle, elle va finir dans la benne. Elle va directement à la main. Ou il va la foutre dans la benne. Bah, fais-la spawner. C'est quoi, je suis tout près du champ, j'arrive au bout.
Regarde, t'as fait que de glisser. Si tu... Et ça se trouve, faut mettre les verrous quand t'es à côté. Comme ton manuel attaching. Touche verrouillée, non bah, quand t'es en manuel attaching, fais gaffe, peut-être que ça marche, c'est peut-être ça. Hein. Pas con, les gars, heureusement que je vous ai. Bah, de toute façon, c'est quoi le slogan? Papier a toujours raison. Et Flo aussi. Faut toujours écouter Giflon. Toujours. Non, j'ai rien. Je... Et dans la moissonneuse, t'as... quand t'es dans la moissonneuse, t'as pas une ligne Non, non, je vais voir de l'autre côté, je vais faire le tour. Désherbage, j'ai pas de tête, c'est là, ici, j'ai rien. Là, ici, j'ai rien. Dans la machine, est-ce qu'on a quelque chose? X déployé. Puis la courant d'anglin. Non, c'est bon. En anglin T'as pas attaché les sangles? Non, non. Ça va la sangler. Pourquoi il me dit choisir l'appareil photo? Non, mais sérieux, pourquoi j'aurais besoin de l'appareil photo? C'est depuis la mise à jour, t'as pas remarqué? Non. Au lieu de changer de vue, c'est marqué appareil photo. La plupart des véhicules depuis la mise à jour. Regarde comment le surbar, je l'avais bien remis. Va te faire sodomiser par un grec. Romain, on t'appelle J'avais 203. On me dit. Mais toi, t'es pas prêt. Je vais tomber dessus. Toi, t'es pas prêt. À partir d'aujourd'hui, je ne parle plus à personne. Je ferme la chaîne. Si qu'il la veut. Tu m'envoies tes 1800 abonnés 1009 T'es 1900 Ouais, je voulais la vendre, mais si t'insistes. Il y avait un mur de BGE là. 150 000 euros là, je voulais la vendre. Il y en a un deuxième. Ah non, mais là, j'ai plus. Là, avec ce qui arrive au début de live, plus la barre de coupe de merde, là, j'ai plus envie à cette heure-ci. Le côté de la moissonneuse. Le côté de la moissonneuse est à refaire. Voilà, il vaut mieux qu'il la change au prix de la machine. Je pense pas qu'il en fasse grand chose. Petite question, est-ce que t'es là demain après-midi, papy? Normalement, oui. Normalement, oui, t'es là Oh oui, je pense, ouais. Ah ouais. Ah ouais, tu l'as mis dans le bon sens pour l'atteler, c'est bien. C'est bien. Non, parce que j'aurais besoin d'un bon coup de main pour faire un gros off sur la limousine. D'accord. Alt F4 non. F10 Je suis déjà dessus. Oh, comment je charge ça bien, tout ça pour rien. Non, faudrait trouver dans quelle partie de la sauvegarde elles sont tes balles et on pourrait les remettre après notre sauvegarde. C'est comme ton véhicule XML. On pourrait. Je regarde c'est où. Après, faire poney 30 bottes de paille. Et Romain, la radio, la télé encore. Il y a toujours la télé chez toujours. Non, c'est pas moi. Ah, c'est Fredo. Bah, je l'ai, mais elle est super basse. Hein. Je l'entends même pas à travers le casque. Donc, Ah non, j'ai pas. Il y a eu un bruit parce que moi je l'ai entendu aussi. Donc, Ah, c'est peut-être pas qu'on l'a entendu au loin. Non, c'est une télé, ça. C'est pas Tiana. Ah, t'as de sacrées oreilles parce que la télé au minimum, je l'avais baissée parce que j'étais au téléphone tout à l'heure. Donc, non, c'est une télé. Hein. Flo, t'as une maîtresse dans ton sous ton bureau ou quoi? Pourquoi? Hein? C'est pas toi? T'as pas quelqu'un sous le de bureau? De quoi? Non, c'est pas toi. Bon, il y a longtemps qu'elle est partie. Moi, j'ai pas besoin de 3 heures, hein, 2-2, c'est fait. Hein. Pas le temps de niaiser, quoi. La botte de paille ramassée. Elle va bien, cette petite moissonneuse, joint à dire. Bah oui, tu voulais l'acheter, tu voulais pas. Tu préférais la palace. 120 000 balles. Non, c'est pas moi qui préférais la palace. Si. Mmh. Arrête de dire que c'est les autres là. C'est les abonnés qui ont préféré la palace. D'ailleurs, il y en a un dans le vocal là. Super, Romain. Je ne crois même pas. J'avais même pas voté pour ça. Ah, c'est Fredo. Je me demande si Papy était pas là le jour. Non, il aurait jamais de voté. Quoi, j'ai rien à foutre. J'ai rien à voir là-dedans, moi. On voté la palace le jour. Les accusations à tort, c'est quoi que je vais dire? Non, mais t'es pas un abonné. Je vois pas de quoi tu parles. Je l'ai clairement dit que j'avais pas voté parce que je trouvais que c'était pas assez pourri du machine. Papy, t'étais là le jour où on avait voté pour où les abonnés avaient voté pour la moissonneuse? Non, je crois pas. Excusez-moi, je reviens. Le vent souffle fort de Normandie. Non, j'avais coupé mon micro, c'est l'eau qui est rentrée.
Il pleut pour l'instant. Je sais plus, non, j'étais pas là, je crois pas, non. Ah, t'aurais jamais voté pour la palestre. Ah non, j'aurais pas voté pour ce merde. Non, on a dit la palestre. J'ai eu de la chance, je l'ai jamais conduit. Oui. Moi non plus. C'est Flo qui nous l'a montré, c'est Flo qui a assisté pour qu'on ait ça, et il y a que Cédric et moi qui l'avons conduit. Ça en est sorti pas trop mal. Oula. Ça va. Bah, il faut bien deux guignols pour essayer le matos. Papy, avant d'essayer de t'apprendre ce que Cédric m'a appris, je vais essayer de reproduire moi tout seul avant. Ouais, parce que j'ai pas envie de t'apprendre du caca. Bah, t'as fait comme papy, t'as fait un enregistrement, non? Oui, 2h38. Bah, c'est bon, tu peux nous l'envoyer, on va t'émerder. Avec le bug de la parenthèse? Bah, la totale, hein. Ah, c'est ah, papy. Ouais. On a bien rigolé. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il rigolait pas trop sur le coup, mais. Non, il avait marre. Non, mais c'est bien. J'apprends de plus en plus dans les scripts et je suis content. Par contre, faire ça en tout temps. Oh. Il y en a un, c'est les maps et l'autre, c'est les modes. Les scripts, toi, ça va deux secondes. Et moi, j'essaye tout ça. Et. Mais non, Flo, t'as fait la V42 de. La V42 de Zanzibar. Et de la vieille sèvre aussi. Oh, bah, elle a fini la poubelle. De la corbeille. Ah, la corbeille, c'est comme un certain JD. Un beau bébé, de la corbeille. Ah là là. Ma petite princesse. J'ai dit que je jouais sans GPS. Ouais, tu m'avais parlé de ton doigt, Théophile. Ça va mieux ton doigt? C'est que tu l'as mis. Est-ce que t'as suivi mon conseil? Romain devait être content, dit. Non, j'ai plus pour rien, moi. T'es lui-même, des fois. Rappelle-toi, c'est pas moi qui ai un problème avec les culs. Ah, c'est Fredo. Tu t'es juste trompé. Attention, il va se réveiller, il va dire, mais ah non, il est pas là, il a coupé le micro. C'est pour ça que j'en profite. Hey, coucou dame Katia, comment elle va? Salut Katia. Hey, salut bordeuse. Alors, ça farte? Oui, ça. Il y a 16h02. Est-ce que Romain prend la suite? Oui, non, je sais pas. Oui, avec oui, la telle sur le titulaire, oh, nickel. Ok. Ouais, excusez-moi. Est-ce que la TFB live ce soir? Ou est-ce que Fredo live tout court? Ce sera suivant, madame. Toute la semaine, il nous a répondu activez vos cloches. Activez vos cloches. Et puis activez vos cloches aussi chez monsieur Jclode1.4 parce qu'il balance des lives, vous êtes pas prêts, quoi. Bah, quand t'as la notification en temps et en heure, ça va. Quand tu l'as le lendemain, c'est compliqué d'aller voir la live. C'est pareil, c'est compliqué. Bah, je t'empêche pas de regarder la dernière diffusion. Bah, dis que j'ai pas regardé, trou de bol. Je sais pas, justement. Alors, voilà. Vous inquiétez pas, Romain et Flo qui s'insultent, c'est normal, c'est leur mot d'amour, d'accord. Le jour où vous les entendrez se parler normalement, et que ça va plus entre eux. Voilà, c'est que l'amitié est vécue, voilà. Mais j'avoue que c'est depuis le début quand même. Oui, c'est clair. Toujours, oui. Je crois pas qu'il gagne. C'est du jour où je l'ai appelé Gifiote, je crois qu'il a pas aimé. En fait. Comment il va, Fredo? Bah, Fredo, bah, il demande comment tu vas. Ça fait juste la deuxième fois qu'il demande, il a pas répondu la première fois. Bah, désolé, j'ai dit que je m'absentais 2 minutes. Hein. Oui, c'est vrai. Non, il t'a demandé en même temps que moi. Donc, t'étais là quand il m'a demandé. Donc, je crois qu'il a pas pu entendre Kéké parce que tout le monde parle en même temps, donc tu réponds lui-même. Ah, c'est Romain qui parle tout le temps. Ah, j'ai bien fait de venir, tiens. La prochaine fois, je prendrai le temps d'écrire. Il va, Kéké. Oh, ça ne gêne pas, comme ça, c'est plus long. Ouais, wow, faut aller, Kéké. Et mon Tintin, comment il va, mon Tintin? Ding, 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 ding. Pourquoi méchant, que j'ai peur encore? Parce que t'as pas répondu la première fois. J'étais pas là. Mais si, t'étais là. C'est quand il est arrivé qu'il a demandé comment. Il a demandé, mais t'es où? Montre le chat, tu verras. Ah ben, désolé, j'ai pas vu. Mais t'es où? Pas là, mais t'es où? Madame. Ah, je t'ai tendu la perche, là. Ouais. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Mmh.
Si tu veux, je charge tes plateaux de paille, David. Bah, y'a pas besoin. Bah, tu fais de la paille. Bah, si tu veux, oui, tu peux venir. Je te paierai en conséquence. Tu me feras des virements sur PayPal. Non. Faut déjà pouvoir rejoindre la partie. Non, à partir de demain, ça va être mieux, je vais regarder ça ce soir. Tu veux charger des plateaux de paille? Non, je vais regarder ça ce soir. Je vais trouver, hein. J'ai passé ma soirée à ça, mais je vais trouver. Et oh, je serai en stream, en train de streamer, je charge des bottes de paille, sans Manitou. Putain les gars, sans Manitou quoi. T'es malade ? OJD. J'ai pas de sous. Ah, sous. Ça explique tout. Il a pas de sous, qui dit le mec. J'ai 80 000 euros. Coupe tes gyrophares. Ah oui, merci. Comment tu savais que j'avais des gyrophares ? Eh, je voyais le reflet de là. Ah d'accord. Ah oui. Vas-y, je fais coucou par la fenêtre. Coucou. Vous êtes installé de l'un côté de l'autre, les gars. Il est temps que tu la ramasses, ta paille, hein, parce que t'es un peu en retard quand même. Hein. Bon, elle est juste toute noire, ça va. C'est juste le dessus sur 10 cm. Oui. Est-ce que c'est grave qu'elle soit noire, la paille? Non. Bah, dis-moi qu'elle est pas pourrie entièrement, c'est pas grave. Tant que c'est pas du fumier. Ouais, ça fera l'ensilage. Au moins, t'es sûr qu'elle soit sèche. Hein. Non, ça fera pas de l'ensilage, ça fera de la merde. Bonjour les Dédarbeaux JBVH, c'est quoi ça? L'ensilage? D'ailleurs, Romain, l'ensilage de paille. Et Romain, t'as regardé le live de monsieur Steph Leban complet avec son GPS ou quoi? Parce que moi je suis parti avant, mais. Quasiment jusqu'au bout. Ça va, il a réussi après ou. Ah bah il a eu du mal, mais il a pas pris le bon en même temps. Hein, ouais. Il a pris le VCA. Je lui ai pas conseillé le bon, je lui ai pas dit lequel il fallait, j'aurais dû m'envoyer le mode directement. Non, non, il a tenu le coup. Hein. C'est vrai que le VCR est activé, là je vais pas mettre mes touches pour mettre le 2 roues motrices, le 4 roues motrices, tout ça. Et dans les champs avec le REA, ça va être pas mal. Je crois que je suis parti un quart d'heure avant la fin du live. J'ai pas regardé la suite de la rediff. Du coup, ils bug plus les REA, les ponts ? Bah là je les ai avec les Real Dirt Color. Alors est-ce que c'est ça qui fait chier sur le serveur ? Je sais pas, j'ai désactivé et ça a pas marché. Parce que moi, ça c'était ça le dernier coup, je sais plus ce qu'on avait fait. Ouais, mais le truc c'est que depuis. Là, je les ai tous désactivés tout à l'heure quand ça allait pas sur le serveur et ça redémarrait pas pour autant. Bah, je vous laisse, les gars. Ça marche, papy. Bisous. A plus. Salut, papy. Bon, en tout cas, je vais aller lui mettre un mot, le mec, sur sa page. Je vais lui dire qu'en fond de map, il y a trop de. Trop d'arbres. Eh oui, parce que j'ai mis le manuel discharge aussi. Si je suis pas dans la moissonneuse, ça décharge pas. Un peu comme quand t'es dans une femme, si t'y es pas, tu peux pas décharger. Bon, ça se décharge quand même, mais. Ça a marché le jour sous la cheve. Cédric, il a dit. Ça aspire bien. Non, alors je sais pas si vous avez vu le mode grenouille ou crapaud qui est sorti sur le mode hub. Ah oui. Alors il nous a dit qu'il voulait passer à ça. Il voulait essayer. Le problème, c'est que je lui ai dit, il s'est dit merde, elles vont exploser. Mais je lui ai soumis l'idée qu'elles avaient des grandes langues. Et là, il m'a dit, oh, ça peut être intéressant. Alors. Voilà. Bienvenue à 30 millions d'amis. Hein. Voilà. Brigitte, tu nous dégoûtes ? C'est ce que j'allais dire. Brigitte Bardot, si t'es dans le coin. L214, bonjour. Accordé. J'ai pas oublié que Cédric m'avait rendu. Ah, mais avant d'utiliser la presse, faut que j'aille acheter aussi des filets. Des filets. Eh oui. D'ailleurs, c'est un peu chiant qu'on puisse pas mettre n'importe quelle presse avec comme on l'avait dans le 19. Je pense qu'on pourrait jouer ensemble parce qu'on joue exactement pareil, mais sur deux parties différentes. Bah, on pourrait, hein. Je veux dire, tu peux... une fois que je l'aurai mis sur serveur, tu peux prendre ta ferme. Le problème, c'est que pour la repasser sur le maintenant. Ouais. Après tu changes pas, il n'y a pas de modification de terrain, donc c'est bon. On va voir ça, on va en parler. Mais le problème c'est que en mode saison, si je veux avancer puis que t'es pas là, ça va être le bordel quoi. C'est ça le problème. Il va te dire de bosser pour lui. Nous ça va pas là, te hête. Mais non, ils montent pas dans mes tracteurs, ils vont plus après. Attends, c'est du haut. Oh, oh, oh. Ils vont tomber en panne. Non mais. En plus, on va remettre du mode sur ton serveur. Oui, en plus, oui.
ça se trouve on n'a pas les mêmes modes. Bon, c'est sûr. Je sais pas, j'ai 10 gigas. Ah, moi j'en ai que 2 et quelqu'un. Là, j'ai fait le strict nécessaire. Je vais rajouter à fur et à mesure et j'enlèverai à fur et à mesure. Non, 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 non. Ouais. Il est déjà 16h10, c'est bon, on coupera le live en 5 minutes, les amis. 5 minutes. Ah, l'avoine, l'avoine. Ah, il faut aussi que je regarde, de toute façon, j'ai la map, j'ai pas fini la version de la map, de toute façon. J'essaye de trouver comment on pourrait changer la période de vente des cultures pour les cultures que j'ai rajoutées. Parce que tout vendre en décembre, c'est pas cool. Les rentrées d'argent tout le long de l'année, c'est plus mal, c'est pas mal. Le nombre d'animaux aussi dans les enclos qui a été modifié, hein, parce qu'avec 60 cochons, tu fais pas grand chose. Avec 30 poules, tu fais pas grand chose. Ça dépend ce que tu envisages de faire avec, quoi, après. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Ah merde. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit pas Fredo qui l'ait fait, celle-là. Ah bon ? Ok, ouais. D'accord. Rendors-toi, Fredo, t'inquiète. On gère. Non, tu dors la nuit, Fredo, des fois ? Bon courage, Mika, bisous. Mais bon, je vais, je pense, ça marche. À mercredi, mon petit Mika. Et puis mercredi, le live commencera pas avant 2h30. Hein. On dit tout de suite. Je vais sortir tard et en plus, il faut que j'aille chercher le gamin à l'internat. Pff, il est chez là-bas, il fera le ménage. Ça te coûtera moins cher. Non. Je pense pas que ça me coûtera moins cher. Oui, c'est vrai que jeudi c'est férié, donc les gamins ils vont faire le pont. Il y a le pont, oui, le pont de l'Ascension. Ah, c'est cool ça de faire le pont. Oh. Attends, week-end aussi, toi, pendant 4 jours, là, fait. Ouais. Tu fais rien vendredi. Non, parce que ma femme bosse un temps et elle me bosse pas. Donc, et puis le problème c'est que je suis d'astreinte au boulot pour les livraisons, donc je peux partir dans l'après-midi. Donc, je peux rien programmer en fait. Quand c'est comme ça, tu rentres avec le camion Non, j'ai pas le droit. Il faut que je pointe à chaque fois. Bon, généralement, tu vas que le soir, hein, en plein après-midi, ouais. C'est eux qui vont. Mais du coup, bah, il faut que j'aille au bout. Parce que là, ce que je voulais, vu que j'ai un distributeur pas loin de chez moi, c'est si je faisais la livraison le soir, c'est de venir avec le camion à la maison. Mmh. Et en fait, vu qu'il faut que je pointe à mon arrivée pour charger les pizzas et à mon retour du camion, bah, je pourrais pas en fait. Et le camion n'est pas assuré pour rester chez moi, il est assuré pour dormir à certaines places. Et quand il part en événement spécial. Donc, tant pis. Donc ça, là, je vais avoir un week-end où il va être galère, ça va être du fait que je peux rien prévoir. Et comment tu sais si tu dois refaire le plein ou autre? C'est la patronne qui m'appelle. Le dimanche matin, je suis sûr d'y aller. C'est une... Mais ça se trouve, vendredi soir, samedi soir, j'aurais pas besoin. Ou pas, je peux vraiment pas savoir. Elle peut m'appeler à 5h l'après-midi comme à 7h le soir. Donc, D'accord. Et vous avez des avantages comme ça quand vous êtes astreint? Vous avez un peu plus Des choses, bah, après, je vais pas dire ce qu'on a, mais ouais, on a ouais, des choses. La patronne sous le bureau? Non. C'est. Attends, je fais de la place. Vous êtes d'astreinte tous les combien du coup? Ah là, c'est exceptionnel, c'est parce que le livreur il est en congé paternité. En plus, c'est les nouveaux congés de paternité d'un mois. Elle lui a donné le mois complet. Donc, Non, là, c'est elle qui lui a donné? Oui. Elle est pauvre. Elle lui a donné parce que c'est lui qui en a fait la demande. Bah, elle voulait pas faire en plusieurs fois parce qu'après ça aurait été le galère. En plus, ça tombait la période où on n'est pas, c'est pas la haute saison. On commence à être en haute saison. C'est pas la haute saison. Quoi. Donc, Au moins, c'est fait. Tu vois, le mois il est passé. On a réussi à tous s'arranger. Et puis voilà. C'est sûr que tu vas finir livreur. Non, je ferai pas ça toute la journée. Enfin, tous les jours.
c'est bien. Le salaire doit être le même. Je sais pas, ouais. Et puis non, être sur la route tous les jours là. C'est ce que je dis, je suis pas routier. Alors, après, ça pousse. Ça pousse quoi, Kéké? Qu'est-ce qui pousse, Kéké? Ouais, il va mieux. Les cheveux sur le crâne? Je savais pas qu'il était enceinte. Ouais, moi non plus. Non, non. En haut. Ouais. Oh, de rire. Sacré Kéké. Mais change pas. Changer pour être pire, c'est pas la peine. Oui. Ah, mais il est 16h15. Alors. Fini la ligne, puis on va s'arrêter là-dessus, les amis. On finit la ligne, merci encore 23 personnes qui sont là, 43 pouces. Merci, merci beaucoup, 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 beaucoup. On va couper le contact, on va se mettre en page de off. Et je vais à tous vous souhaiter une bonne fin de journée. Profitez du soleil si vous en avez. Faites attention à vous. Activez vos cloches, il y a monsieur Romain Jans qui va arriver derrière. Activez vos cloches pour la team TFB et pour Giflodin.4 qui lance des lives quand il peut et quand il a le temps. Voilà. Accessoirement quand il a envie. Hein. Ouais, c'est ça aussi. On se retrouve jeudi soir. Hein. Jeudi soir normalement ? Bah jeudi soir. Oh, je pense que ça va être souvent les jeudi soir maintenant. Ok, d'accord, ça marche. Eh ben, gros bisous à tous. Merci à tous les gens qui étaient en vocal. Merci mon petit Flo d'avoir été là, ça fait super plaisir. Mon petit Romain, mon petit Prédo. Voilà, merci à Papy d'avoir été là tout à l'heure. Merci à tous les modos, merci à tous les membres de la chaîne. Ciao la bise ! Et à mercredi. Mmh.